It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fly than this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Drip, drip. Pull up and I'm loading the clip. Yo! Yo, ça va, le man? Tranquille et toi, Renoix? Ouais, ça va, tranquille, yo. Ouais. Skitash, tu peux expliquer à cet enfoiré? Sa cousine, c'est une blotte, dis-lui, s'habille pas en rouge dans le quartier des Crips. Ouais, mec, fais gaffe hein, quand tu viens habiller tout en rouge, Kirk, hein, comme ça. Ouah, mais c'est rien, c'est du rose. Ah, mec, c'est pas rien ici, hein, mec, hein, les couleurs ici, ça veut pas rien dire. Hein. Ouais, yo. Eh ouais, Renoir. Pourquoi t'as du rose sur toi, là? On vient, mais là. Mais moi, mec, c'est parce que c'est le modèle Supreme Skittles qui est avec du rouge, mais c'est rien. Ouais, mais t'as touche du de rouge. Rouge. Ouais, mais je suis pas sapé en rouge la tête au pied, Renoir. Ah, ouais, c'est vrai que c'est un peu de rose, moi, c'est vrai. Un peu plus, ouais. Regarde Kirk, ton pantalon il est quelle couleur? Bah il est... Dis-moi quelle couleur que c'est mon pantalon. Il est rose, il est bleu. Et il ouais, il y a un peu de bleu quoi. Mais regarde mon véhicule, il est quelle couleur? Noir et bleu cousin. Oh, bah il est bleu là. Ah, moi mon vélo il est jaune. Et regarde notre pote le light skin, il est quelle couleur? Il est bleu frère. Et lui je lui ai déjà fait la morale à cet enfoiré, je lui ai dit hein. Y'a des cryptes comme ça, tu vas te faire fumer, poteau, tu vas dans un quartier. Eh ouais, Renoir, fais gaffe, hein, venir tout en rouge ici, mec, les grands ils te voient, je te jure, ils te tirent dessus. Hein. Ouais, mais les man, c'était pas au courant, moi. On me dit ça à un moment là. Gars, je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant tu sais, man, en plus t'as un gros B sur ta casquette, yo. What the fuck, man. Ah, ouais. Ils ont vendu que le Bloods en plus. Bah, c'est ma cousine qui m'a donné pour mon anniversaire. Yo, tes cousines, vas-y, on va les tuer, man. Comment ça, tu vas tuer ma cousine? On va les tuer, man, si elle continue à te faire porter des casquettes avec un B, man. Yo, c'est la lettre interdite, man. Ah ouais, faut que ce soit quelle lettre? Si, my man, boy. Si. T'es comme con. Yo, Bloods comme beat. Ah, oh, yo. Il faut le baiser, si tu veux. B comme beat, man. Ouais, le baise, on la beat. Et ouais, man. Yo, bon, vas-y, t'as quoi, là, pour WAM? Tiens, c'est des trucs, c'est pas ce qui correspond, mais tiens, ça donne... Je sais pas à quoi ça correspond, toi t'es fort quand même hein. C'est pas combien ça vaut. Ok. Tiens man, tu veux un couteau? Tu veux un couteau, alors là t'as 7, 8... Attends, je vais te dire hein. Là t'en as pour... Mais ils sont pas là. Ça arrive hein, je sais pas, chemin, hein, je là, ils sont pas là. Chemin, non, Dash il est pas là, ouais, Dash il est pas là. Eh hey, man, c'est les Wu. Il y a une équipe de Wu là, en plein milieu du quartier là, ils sont en train de faire les malins. Je vais envoyer des gars, vas-y. Viens vite, frère. J'en passe de police, je peux pas, attends. Vas-y, bouge pas, je passe un coup de fil, hein. Je t'ai hôtel avec, là, ils sont occupés, frère. Ah, ils sont occupés. Mais non, BY. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ça va ou quoi, Cap? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, tout à l'heure là, le mec avec la casquette, ils sont poussé des ailes, je crois que je vais le shoot là maintenant tout de suite, il va apprendre qui je suis, cousin. Quel mec avec la casquette? Le mec en face de moi là, il sait très bien à qui je parle. Oh mec, il vient de sortir de tôle, chill mec. Je m'en bats les couilles, je vais le shoot, il va aller au cimetière. Yo, Cap, chill mec, chill man. Chill, Renoir, god. Tu vas rien comprendre apparemment. Mec, c'est un Renoir, yo, c'est un mec, il a grandi dans les Crips, mec, il aime pas les gars qui portent du rouge, yo, tu comprends? Je m'en bats les couilles de sa vie. Le jour où il me respecte encore, je l'encule ton frère, t'as compris? Yo, il savait pas, man. Écoute. Je suis venu tranquillement, tout à l'heure, je suis venu exposer un fait. Il y a des mecs de North Inglewood qui sont venus braquer notre LTD. Ah bon? Ouais, ils ont voulu voler la caisse, le coffre. Ouais, donc c'est comment nous on fait vivre le tchèque et derrière. Ça passe, ça taxe les entreprises. Ça, tu verras avec les grands, mec. Hein. C'est des bâtards, les mecs qui ont fait ça. Mais bon, mec, tout pour l'oseille, hein. J'ai beaucoup de choses à voir avec tes grands, vraiment. Bah vas-y mec, je vais voir, hein, je vais essayer de les rapper, je vais leur dire que tu veux leur parler. Hein. Les petits qui proposent des brawls et qui sortent des pétards, Skittles, ça va pas le faire longtemps, je te le dis. Là, franchement, je te dis la vérité, je suis très calme, alors que je devrais être démoniaque. Yo. Vas-y, bah je vais voir avec les grands, je vais leur dire mec, et ils viendront te parler carrément, ils viendront à West Inglewood. De hein. Toute façon, je te le dis, s'ils viennent pas, c'est moi qui viens à vous ce soir. Vas-y, tranquille cash, Cap, hein. Tranquille. Y a pas de pute ici. Hein. Je leur fais passer le mot, Renoir. Il a yo, touché, on a bien pas passé le moment, mon gars. On est là, cousin. Il veut quoi, lui? Je sais pas, tout à l'heure, il est arrivé comme un cowboy, il se gare, il sort un pétard.
Sigmo, faut que je te parle vite. Viens, mon frère. Toi là, putain. Yo. Ouais, Big Renoir. Ouais, je sais que c'est dis-moi. Ah, tu l'as balayé, c'est sa bon, grand-mère. En fait, juste Cap, il veut te parler plus tard dans la soirée, là. Il a dit, il a plusieurs trucs à mettre au point, il est énervé. Fais pas chier, je vais raccrocher. Ouais, vas-y. Lâche-moi mon téléphone. Chez moi. Mais tu dois pas partir, toi. Yo. Mais arrêtez de tirer, vous descends, êtes... Descends, toi. Arrêtez de tirer, descends, vous êtes immature. Descends ta voiture, Non. Arrêtez de me quebra, yo. Descendez. Pardon. Non, c'est pas vrai, c'est pas moi. Si, bon, je t'ai vu faire. Ah ouais. Ah, c'est vrai, ta voiture. Hein. Ah là là, écoutez, bon, je voulais au cap avec lui, là. Arrêtez de tirer, vous êtes immature. On vient de nous tirer dessus, on va nous lancer un molotov à l'instant. Wow, c'est qui cette gonzesse là? Son visage tout noir, elle a un masque. Madame, ici là. C'est une danseuse, c'est une danseuse. C'est une pute. Et alors, vous avez un masque sur le visage? C'est une danseuse. Restez au véhicule. C'est une pute, man. Et parce que vous faites de la danse, vous avez le droit d'avoir un masque. Attends, mais man, pardon. Elle est folle celle-là. Allez, aïe! Free Skittles, libérez-moi. Ah ouais, y'a personne. Nickel. On l'embarque parce que libérez-moi. Lui, il a aidé le type à s'en aller tout à l'heure. Et le type qui s'est en allé, il a fait en sorte de. Une prise d'otage sur Bugsy. C'est pas vrai, moi je suis pas au courant, mec. J'ai juste vu un mec se faire contrôler. Non, c'est trop bien. Alors, du coup, mais y'a pas de complicité, mec. J'étais pas au courant. Je suis pas au courant qu'il a pris un otage. Mais je lui ai dit, un truc, sergent, s'il te plaît, ils sont trop immatures. T'as fait quoi, regarde comme il est immature, il fait que tirer. Je lui ai dit 2 minutes avant. T'es qui là-bas? Reviens. Putain, j'ai cru que c'était une mollo. Je suis désolé. Je vous jure que j'ai cru que c'était une. Yo, t'es chaud du slip, toi, man. Ah, fille, j'ai cru que c'était une molotov. C'était une mauvaise pour moi. Tu l'as tué le mec? Je sais pas. Il a tué un Renoir! Il a tué un Renoir! Libérez-moi! Mais libérez-moi, j'ai rien fait! Oh, calme-toi la crime là! Oh, libérez ce qui te. Pourquoi ça a allumé comme ça là? Frisky. Parce que j'ai cru qu'il m'avait lancé un mollo, mais c'était une brique, putain. Friskit, man, free-moi! Bah, toi, je sais pas ce que tu l'as touché toi, par contre. J'en sais rien du tout. Il l'a touché? C'est possible, oui. Je pense pas. Non, tranquille, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Il était pas au sol. Dissimule. Je vais voir. Ah, non, mais viens là. Il est où? Non, mais je crois pas qu'il l'a touché. Ah non, bah y'a personne. Ah non, y'a personne. Mais libérez-moi, les man, s'il te plaît. Libérez-moi. Et pourquoi ils t'ont arrêté, toi? Je sais pas, c'est Patrice, il a la haine contre moi, Patrice. Bah non, mais je suis venant. Patrice, il m'aime pas, il est raciste de WAM. Alors, en gros, y'a Bugsy qui fait mon otage il y a 3 jours. Ouais. Le mec. Libérez-moi. Qui a fait en sorte que Bugsy soit pour un otage, il s'appelle Willem Amaoui. Ouais. Et il habite ici là, c'est un gars qui tourne avec lui. Libérez-moi. Arrête et de là, courir, oh. Je lui ai demandé, je lui ai dit, il est où Willem Amaoui? Il m'a dit, bah il est là. Du coup, je suis allé le voir. Mais je sais pas si s'appelle Willem Amaoui, lui, il s'appelle Driss. Mettez-vous en état d'arrestation. Mais il s'appelle Driss. Et après lui, celui que je devais toper qui a pris un otage, Bugsy, il s'est mis un couillou. Lui a récupéré sa voiture en picador, il a récupéré le type et il l'a sorti de la merde. Libérez-moi, s'il vous plaît. Il est complice, man, quoi, en gros. J'ai rien fait. Ta gueule, Skittles, ta gueule. J'ai rien fait. Il a aidé un type qui a pris un otage, Bugsy, à s'enfuir là, il y a 2-3 minutes. Ah ouais? C'est pas vrai. En fait, il m'a dit, regarde, c'est lui, il est malhonnête. Il m'a dit, il est où, William Amiri? Moi, j'ai dit, bah, je crois c'est Driss. Du coup, je suis allé voir Driss, bah j'ai rien, mec. Je suis allé voir Driss et je lui ai dit, tiens, regarde, c'est lui, Patrice. Et il m'a dit, arrêtez-le, il a fait une prise d'otage. Et du coup, bah, moi, je l'ai aidé à s'enfuir. Voilà, il vient de se boucaf tout seul, je suis où. Il vient de dire que j'ai dit qu'il avait fait une prise d'otage. Non, mais tu l'as dit après l'avoir arrêté. Quand, si tu vois, comment, je l'ai même pas arrêté. Moi, je sais pas si c'est lui en plus, William Amari. Tu dis ce que tu veux. Toi, t'es un fou, toi, en fait. Moi, c'est juste, il s'appelle Driss. Toi, t'es un vrai fou, toi. Ah non, mais t'es un vrai fou, je le dis, tu racontes ce que t'as envie de raconter. Bah pourquoi? Tu parles au hasard ou bâtard? C'est quoi? Je parle pas au hasard. Et aléatoire, je suis mandoré où? Je suis pas aléatoire, tu m'as dit il est où William Améry? Je t'ai dit il est là. Ah ouais? Je t'ai dit bah ouais, t'es vous pour prise d'otage? Bah oui, mais tu l'as dit une fois que t'étais devant lui. Si dès le début tu m'avais dit ouais, Renoir, machin. Comment ça, ouais, Renoir? Ouais, Renoir, le CH aussi pendant qu'on y est. Non, mais si tu m'avais dit ouais, on recherche un mec pour prise d'otage, je t'aurais dit c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bah tu t'es fait baiser, bah alors qu'est-ce qu'il y a? Faut accepter de se faire baiser dans la vie un peu. Bah ouais, mec, mais il a rien fait lui, il m'a dit, je lui ai demandé si c'était lui, il m'a dit non. Et c'est totalement lui, je suis allé le récupérer pour qu'il parle la voiture. Il m'a dit, il a rien fait, hein. Mais c'est totalement lui! Peut-être il ment, mec, hein, bah tu l'arrêtes au lieu de m'arrêter moi. Bah c'est pas de ma faute si t'es de cet enculé à s'en aller alors qu'on attend le cours, c'est on foot. Bah oui.
Mais mec, je voulais juste sauver un renom de mon quartier, comme ça après il me donne de l'argent et je gagne de l'oseille parce que je suis pauvre. Attendez, monsieur, vous courez un peu trop à mon goût là, attendez. Viens là. Tous ses collègues sauf moi. Viens là. Flop. Yo, flop. Viens là. Je sais pas. Aïe. Désolé, collègue. Il court un peu tôt là. Il est au niveau de Skittles, tout ça, où il y a Patrice. Ah ouais. 10. Collègue. Et vas-y, je suis Tyson Fury, moi, je comprends pas là. Putain, man, libérez-moi. Oh là là, je lui ai mis une pomme de latte. Libérez-moi, je vais louper le combat en plus. Il va marcher à deux à Léo. En plus, il va commencer là. Mais vas-y, libérez-moi, je veux voir le combat. Vas-y, Patrice Nganou. Ok, je suis cool, je te libère pour ça, vas-y. Il y a 10 minutes, ça va, il y a 10 minutes. Vas-y, va regarder. Ouais, frère, c'était à 23h, yo, pourquoi ça, ça... Mais non, mais parce que c'est les combats de boxe, c'est chaud comme ça, mon pote. C'est quelle chaîne? Vas-y, casse les couilles. C'est quelle chaîne? C'est DAZN. Je pense qu'on va vous tracter jusqu'au Beniz, ça sera plus ça. On va regarder un combat qui, comme d'hab, va durer 3 secondes au bout de 2 pintas. Non, je pense pas, c'est des murailles, eux deux. C'est impossible. Ah bah non, mon pote, là justement, là ils ont 100 fois plus de force, la patate, quand elle touche, c'est fini. Une patate, il tombe, non, la boxe, ça dure longtemps, la boxe, ça dure longtemps. Je le dis. T'as vu tes gars qui continuent à jeter des molotov là, le prochain je vais lui jouer. Bon toi on a bien vu tes cocktails molotov, ça y est. Arrêtez, les molotov, arrêtez man. Ça y est. Le molotov, ça y est. On est pas vos salopes. Il est où? Ils sont où ceux qui jettent? Rabbipe ce soir, de toute façon j'aurai sûrement de quoi faire là. On va essayer d'aller faire des conteneurs si on peut. C'est bon, vas-y mec. On se pète. Vas-y, à plus. Big up. Yo, ça va ou quoi? Tranquillement. Bah écoute, ça va mec hein. Ça va. Yo, moi juste, je viens vous voir là parce que j'ai un bail là, j'ai un problème. Dis-moi tout. En gros, mec, yo, moi je vous ai parlé d'un biz. Je vous ai vendu des trucs, non? Je vous achète des trucs, je vous vends des bails, je vous mets bien ouais, et ouais, tout. Ouais, ouais, bah comme d'hab. Hein. Moi je vous ai dit mes conditions, entre guillemets, c'était que vous me rameniez pas mal de briques. En fait, justement pas, elles sont toutes là les briques. Mais le problème, c'est que t'as eu Bugsy, c'est lui qui a les clés, il est pas là. Yo, bah tu me demandes, frère, moi je te donne d'autres clés, yo. Bah si t'en as une, je veux bien, parce que là en fait, je comprends pas, je les stocke. Je vais aller les mettre dedans. Parce que moi je te dis la vérité, hein, depuis le début là. Mec, depuis le début, vous m'avez ramené 20 briques au total, je pense même pas. Bah donne-moi les clés, je vais aller mettre ça là-bas. Vas-y. Parce que pareil, hier Bugsy me dit, ouais, donne-les-moi, je sais pas quoi, viens à Grape, j'en ai plein et tout, machin. Je suis venu à Grape, Nas il m'en a donné, il en a 4. Je dis bah yo, tu te fous de ma gueule. Bah ouais, mais moi il me semble qu'on en avait plus. Mais attends, faut que j'y vérifie, vas-y. Tiens man, mais yo, là je t'explique là, regarde, ça va être simple hein. Mec, déjà les briques, en temps normal il m'en faut plein. Mais là mec, il m'en faut encore plus. Donc là, regarde, depuis hier, donc là on est mardi. Là jusqu'à dimanche. Vous devez me faire le plus de briques. Celui à la fin de la semaine qui m'a fait le plus de briques, je lui vends un pétard en plus. Tu vois, parce que là, moi, je vous vends des pétards. Là, Makila, il m'a dit de plus vous en vendre. Et là, celui qui fait le plus de briques, je lui en vends. Il va pas nous vendre à nous en général, ou à nous, ou en général. Ou à nous, juste à nous. À tout le monde, parce que vous en avez déjà deux. Okay. Ouais, et Eldien, ils en ont déjà deux. Les autres, il y en a, ils en ont même pas. GDG, ils en ont même pas. Ah ouais? Ouais, mec. Ouais, c'est un match. Bah écoute, je vais mettre dessus, hein. Tu connais, je vais te ramener ça. Et ouais mec, donc là plus vous faites de briques, plus vous serez bien pour les pétards mec hein. Ouais, tu connais. Y a des mecs qui prennent grave au sérieux ce truc là et mec, crois-moi qu'ils se mettront bien s'ils ont un pétard en plus. Vas-y, bah ça va, écoute, je vais mettre mes gars dessus, hein. Tu connais, on avait beaucoup de boys donc on va s'y mettre. C'est bon man, vas-y bah on se pète alors. Vas-y, t'as mec, big up. T'as plus. Jackson c'était Amadou leur chef. Non, Amadou il était chef de rien du tout frère. Amadou il était avec les cap et cup et tout. Le chef des Jackson c'est Cash. Et il est, je sais pas, je le vois jamais frère. Eux ça se branle aussi. 500 sur 1000. Tiens cousin. C'est bon. T'as eu ou pas? Non, c'est, j'ai pas eu encore. Simer. Tiens cousin. Je note quoi? Simer frère. 90, 58. Normal, c'est normal. C'est Pierre Manon, c'est bon. Tu connais. Demande à Kali, elle doit voir. Ok. Tu lui dis que tu souhaites le voir. Tiens qui, normalement t'as une monnaie. Et tu lui dis qu'il y a des gens qui sont passés à Inglewood. De chat, cousin. Il t'envoie en gros directement. T'as chat, toi. Directement. Normalement, où il veut. T'as eu. Lui va dire où il veut, tu vas le capter. Si par exemple Bugsy est là, tu te gares là, avec la voiture. Tu lui expliques, tu dis voilà, on m'a juste payé 2000$. Je sais pas du tout c'est quoi le scope, j'y connais rien.
On m'a juste t'accompagner à un endroit avec ma voiture. Ça ne va pas. Et t'arriveras à rien. Ça ne va pas. Si c'est moi, je pense pas qu'il va t'arriver un truc vu que je suis avec toi. Et puis même si je les connais pas du tout, mais. En fait, c'est juste le scoop de l'année, t'as vu. Vends-lui ça comme le scoop de l'année, t'as vu. Dis-lui, en fait, là, t'as vu. Là, en parlant plusieurs millions de dollars, hein, de ton scoop, t'as vu. C'est un truc de baiser. Et soit il marche et il va monter, logiquement. Soit il monte pas, dans ces cas-là, bah vas-y, hein, on ira le faire monter de force nous-mêmes, plus tard. Quand tu seras plus là, c'est bon. Okay. Vas-y, appelle-le pour voir là. Mets-le par l'heure devant moi. Dis que je vais faire partie de Weasel Nude, en plus je me suis pris. Bref, regarde dessus. Yo! Salva, t'as l'écran. Salva, il a la le dalle, poto! Toujours su que t'étais une big bitch. Hey, Trey, hey, Trey. Et ouais, cool. Même quand on fornique. Le mec, il a la flemme de Ken. Ah oui, bonsoir. Comment elle m'énerve ça là? C'est bon, là, je panique. Mais viens là, pourquoi tu cours? Pourquoi tu cours? Pourquoi tu vas où? Oh, baisse ta mère là! Yo 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 yo, stay here! Fucking nuggets! C'est surtout ça, t'as vu? En mode là, tu fais ça pour cacher ça, bam bam! Quand on joue, quoi, ma gueule? Non, je sais pas, normalement, tu dois baisser. Bah non, mec. T'es ma mec! J'ai mon canon carrément, il dépasse ma chepeau tellement j'ai une grande bite. C'est bon. Renoir, j'ai le canon qui dépasse de la braguette. Je me rappelle, de l'école, il avait une belle bite, pas toi. Drey, on bouge. Mais mec, je suis un Berkeley. Tranquille. You know. Tu veux le grizzly vite fait de loin? C'est pas prendre le rock là. Le rock, ouais, de loin, ouais. Ouais. Démonte. De loin, ouais. Est-ce que Driss il a capté qu'il fallait changer de voiture? Non, c'est biche. Il a pas compris. Ah, je monte avec vous, je monte avec vous. Comment ça, Driss, il faut changer de voiture? Comment ça, je change de voiture, que c'est? Con ou quoi, Mensou? Il est bourré, il est bourré. Non, arrête, lâche pas la musique. Ah. Pourquoi t'es bourré? Mais lui, il a pas de place, c'est bon. Si, c'est bon. Et nous, on doit le taper, Bugsy ou pas? Non, s'il coopère pas, putain. Je sais pas s'il arrive, je lui dis. S'il coopère pas maintenant, on le pète maintenant? Bugsy? En fait, j'ai même pas envie de le péter en fait. Hein. Non, faut juste par rapport à. Ouais, faut juste du collier, moi, revendiquer des choses, tu vois. Mais juste pas au nom des Hoovers, quoi. T'as capté? J'ai pas compris là ce que tu veux faire. En gros, tu veux que Bugsy revendique le collier? Non. On explique lui dans la Buffalo. Ouais, on va lui expliquer, t'inquiète. Les gars, on va aller. Suivez-moi. Oh putain. Yo, il veut qu'on se fasse péter par les flics ou quoi, ce man? Ça fait demi-tour derrière. Je sais pas ce qu'il veut, la buff là. Freine. On va lui dire TF. TF. TVK. J'ai ta dash. Mais c'est bon, c'est fait. C'est dit, c'est fait? Ouais, c'est bon. Ils nous suivent, Renoir! Oh! Bah laisse-les! Enfin, laisse-les suivre, ouais, mais frère! Bah, couilles, nous, on s'en fout, nous! Yo, t'es fou, man! Yo, vas-y, mec, on va se faire péter par les flics là, il est trop temps! Vas-y, les gars, laisse-moi, c'est bon, c'est juste peur! Avance, allez, fais-le, avance! T'as vu, moi, s'il me dit où on va au lieu de me dire suis-moi, ah, oui, aussi, t'as vu? Je sais où je vais, t'as vu, là, je sais pas, je vais où, je roule? Je roule pour rouler. Bah ouais, roule hein. Mais en fait y'a... Bah ouais, je vois, Bref. Vas-y, roule. Allo. Demande à Dash, il veut qu'on aille où. Il est derrière nous, Dash. Va à droite toi, ouais, ou je sais pas... Attends, on va voir si elle nous suit la voiture là. Non, regarde, fait demi-tour. Ouais, fait demi-tour, ça... Y'a deux voitures sur eux, Y'a des voitures sur vous là, non? Ah, mais je sais pas si vraiment ils le suivent ou ils essayent de taper. Mais s'ils veulent taper, ils veulent taper, à ton avis, frérot. Pourquoi tu. Et Léon? Donne les infos, bon, tu es là. T'es où? Donne les infos. Je suis dans les bails du gang! Ça va gunfight, mon pote! Puis on se rejoint à la station service là en bas. T'as capté? Ça va se péter le cul. Vas-y, va d'arbre. Dis-lui de passer dans une rue, on essaye de la bloquer, je sais pas. Non, non, bah. On va dis-lui de passer derrière le Bahamas. Ils sont là. Ouais. Vas-y, bombarde. Ouais, les gens qui font demi-tour, je fais demi-tour, hein, frérot. Ils en suivent. Bombarde, mec, bombarde, yo. Yo, yo. Deux chops sur nous. Non, y'a la Greenwood, je crois, nous. Sème-les. La Greenwood, elle veut notre. Je sème vite. Ouais, sème-les et ils nous enverront la pause. Bah, ils me chassent. Ouais, les Evan Chasse, ouais, j'aime pas.
Ouais, ouais. Surtout que les gens, tu vois, regardez, là, la Buffalo, elle est arrivée toute seule, elle a vu un convoi de 3 personnes, elle s'est dit, bah vas-y, ça y est, nique sa mère, ils font du convoi, je fais du convoi, blablabla. Tu connais. On va vers Caillou. Tu connais les gens. Pour le tout. Donc, c'est pour ça que... C'est qui là? Moi? Ah bah, prends son thé là. C'est Skit. Mais en sécurité. Ouais, dis-moi. Ouais. Mais viens. Qui? Putain. Ah lui? Bonsoir. Ouais, bonsoir. Du coup, Bugsy. Oui. On va prendre ton tel, man. Hein. Ah, juste par simple mesure de sécurité. Hein. Ouais, procédure de sécurité, Renoir. Si merde. Problème, tes derniers SMS. Je le pose là. Ouais, y'a pas de problème, Je sais quoi, dites-moi. Du coup, mon bon vieux Bugsy, t'es journaliste? C'est ça, je suis journaliste, oui. Bah, j'ai un vrai scoop pour toi. Ah ouais? Voilà ce que je vais te passer dans tes mains. Ok, c'est quoi? N'essaie pas de courir, mais gars, tabac derrière, hein, si tu fais le moindre pas en arrière. Fuck you. Ok. Oh, fuck you. Collier de la reine. Fais gaffe, tu vas essayer de là. Mais attendez... Bugsy, t'as du gras sur les doigts, là, mais doucement. Mais ouais, mais je suis désolé, j'ai mangé un hamburger tout à l'heure. Okay. Yo, c'est grave bon, les hamburgers. Fuck. Hey. Ok, tenez, je vous le range. J'ai compris ce qu'il a fait. Comment, nickel, sont-elles, les gars? En gros, là, on est venu avec le faux collier. Okay. Et on va voir s'il va appeler d'autres gangs. On va voir, genre là, si vu qu'on a... Je pense que c'est ça qu'ils veulent faire. Yo, sont-elles, ouais, il est là, sont-elles. Il vient d'où, ce collier? Je lui rends? Non, tu regardes s'il n'y a pas... Oh my god, je vérifie s'il n'y a pas... Oh my god, je ne vois pas que c'est le collier qui a été dérobé à l'aéroport sur le tarmac. Non, il n'y a rien. 26 putain de millions de dollars. Tu captes? Waouh, c'est out, c'est now, c'est maintenant, c'est Wessel. Effectivement. Du coup, ce qu'on va faire... T'as une caméra? Ou si tu fonctionnes comment, toi? T'écris un code journal? C'est comment? J'ai une caméra embarquée, j'ai une paire, j'ai tout, quoi. C'est ton métier, tu fais ce que tu veux. Ma revendication, en tout cas. La colonne N Pocket. Okay. S'il veut revoir un jour ce collier à 26 millions de dollars, il va devoir suivre les revendications et il devra passer par toi pour nous répondre directement. Toi, tu gagnes ton beurre, du coup. En gros, vous voulez que je vous filme pour que vous passiez un message au gouverneur, c'est ça? C'est ça, avec des revendications qu'on a, qui sont plutôt claires et simples. C'est cool, le Weasel, en vrai. Qui mettrait un peu tout le monde dans un bon confort de vie. Je vais pas te mentir, dans un premier temps. On est pas des méchants, nous. C'est la première fois que sur un serveur, je vois vraiment un Weasel bien poussé et bien fait. Est-ce que vous voulez que je vous pose des questions ou est-ce que vous avez un discours tout fait pour le gouverneur? Non, on n'a pas de revendication. Tu sais, on parle de 26 millions de dollars. Hein. Ok, je demande pas qu'on va pas revendiquer, c'est pas le but. Mm-hmm. Les collier, on compte bien le rendre. Ok. On va pas vivre avec ce collier, tu sais. On a plusieurs millions de dollars, nous, hein, qui dorment dans plusieurs comptes. Plusieurs îles dans le monde entier, donc on s'en bat les coups de son collier. Juste en gros, il veut faire une rançon, ça, ouais, j'ai compris, il veut faire une rançon. Crypto-monnaie, yeah, tout ça, tu connais. Gang, ça veut dire gang, là, c'est gang. Oui. Filme, ou sinon écris, fais comme tu veux. Je filme. Tu dis action, top. Ouais, je vais vous dire action, bien sûr, je vais vous dire action et j'en lance le jingle. Une fois le jingle lancé, vous pouvez vous exprimer et dire ce que vous voulez devant la caméra. Regarde, nous, on n'est pas trop tout ce qui est... Waouh, arrête de me... Après, il me braque, lui. Il a des spasmes depuis la guerre, tu sais, il a fait la guerre, lui. Fuck you. Longtemps. Il rentre de guerre. Okay. Fuck you, man! Oh, okay. Fuck you, fucking nuggets! Pour ces questions, les questions vont être simples, hein. T'es pose pas des questions de con, parce que je vais juste te tirer dessus. Surtout à la caméra. Non, bien sûr. Donc, pose juste les questions basiques de journaliste, quoi, et surtout, qu'est-ce qu'on veut en échange de ce collier. Très bien. On fera passer un mot directement et tu pourras couper juste derrière. Ok, on fait comme ça. D'accord. Je prends le matos, mettez-vous en position et puis on est en action. Hop. Vas-y, hein. Ok, bien, c'est pour revendre, donner une rançon au truc et tout. Ah, t'as fouillé son tel, c'est bon? T'as pas envoyé des SMS, s'il te plaît? Ouais, non, rien pour le moment, man. T'inquiète. Mais tu regardes ou pas? Ouais, je regarde. Non, mais le téléphone. Je l'ai, dès qu'il vibre, je le sors. Il y a moins de regarder les SMS, s'il te plaît. Et dernier appel, BG. Ah ouais? Il a pas compris. Tu veux que les agents du SPT viennent, toi? Tu crois il a un code, frère? Faut lui demander. Voilà, lui. Super, ouais. Ah oui, gros génie, va. Tu vas me suivre, d'accord. Vas-y, alors, attends. Oh, putain, yo, man tel, juste... Oui. Attends, okay, yo, c'est quoi le code de ton tel, là? On va regarder ton dernier appel, voir si t'es pas une pookie de biatch. Ouais, tiens. C'est quoi ton code? Y'a pas de code. Je mets pas de code, moi, je suis pas un pervers. Ok, c'est bon, je regarde rien d'autre. C'est bon. Ok. On arrive, Bugsy, c'est, hein. C'est normal, c'est débrief, berge. Bugsy, on arrive, oui, faites un débrief. Écoute, c'est... Si, un appel avec un flic, mais à 23h... Il y a un masque noir en rab ou pas? Attends.
Tu sais pourquoi ouais. Ce masque-là, je l'avais quand on a fait le braquage. J'ai un cache-cou si tu veux. Ouais, c'est un cache-cou, vas-y, parfait. En vrai, de vrai, ça gère. Ah, tu gères. Ah, t'es bon. Vas-y, merci, Kid. Salut. Ok, non, y'a rien. Regardez pas, mes nudes exclusifs à l'intérieur. Hein. Non, t'inquiète, je regarde pas maintenant. T'inquiète, hein. Ok, ok. Je regarde pas du tout là. Ouais, regardez pas parce que c'est exclusif. Oh, le gros poulard. Il a vraiment des trucs. Quoi ? Et ouais, je suis vraiment des trucs. Vous avez dit quoi ? Je dis, vous êtes beau, monsieur. Merci, merci. Mais démasqué, c'est frère. Gentil. Ça va, Kali, ouais, direct. Tu gères ? Bugsy se fait braquer par des mecs habillés en noir avec des M4. T'as l'habitude, j'ai l'impression. Force à lui. Putain. J'ai l'impression que tu manies les perches comme jamais. J'ai jamais une perche comme ça. Tu gères, je suis fier de toi. Ok. Congratulations. T'es sûr avec un abri anti-aérien. Là, en gros, je vais devoir les filmer. Ils vont revendre. Revendiquer un message. Comment on a du style. Du coup, j'ai dégainé une chaise. Dégaine un fauteuil de roi, t'es le king. Bah, à part si tu déconnes, si tu dis de la merde. Je vois pas qu'ils sont. Je vais mettre là et je vais fumer un joint là, sur la truc. Qu'est-ce là. Parfait, faut qu'on s'y passe, je pense. Ouais. Des fois, on dirait on est une BMF. Je sais pas, on est en ligne. Yo, gang mec! Yo! Yeah! Gangman! Gang! Bow! Pow! Brrr! Skiri papa! Skiri papa! Vas-y! On s'en bat les couilles du signe, wesh! Directement dans les journaux. En gros, tout a été fait et non vérifié au préalable. Une fois que tout ça sera fait, et seulement quand tout ça sera fait, le signe en vrai, c'est on pas lui le signe. Rendra visite, tu vois, c'est en le personne, de... on lui rendra le colis. C'est quel signe, c'est tout. Vas-y. Parfait. J'ai bien compris pourquoi d'ailleurs on l'a pris. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Vous voulez pas lui demander de ranger juste la voiture ? Tu peux gérer, c'est bon ? Ouais, t'inquiète. Vas-y. Ouais, tu veux ranger la voiture vite fait. On est prêt, Bugsy, on est prêt. C'est en stress, c'est la première fois. Moi, je suis prêt. Quoi ? Vous êtes c'est notre première fois, man. Prends juste ta voiture, mets-la derrière nous. C'est mieux pour le décor, ouais. Juste derrière nous. Pareil, mais derrière, histoire que Weasel soit écrit, on ne vole pas l'article. Ouais, bien sûr, attendez. Je vais la mettre derrière avec le Weasel écrit. Voilà, comme ça. Parfait. Du coup, attendez, je vais faire mon gars. Il va parler. Ouais. Pose okay. Des bonnes questions. Script, c'est un truc comme ça, c'est un truc avec des ronds et tout là, je sais. Bah, tu pourras confirmer aussi dans ta vidéo que t'as bien sûr vu le colis. Gang sign, Crips. Ouais, bien sûr. N'est pas du bluff. Très bien. Voilà, c'est pas du tout ça. Hop. On te laisse faire. Ah, si, en vrai, le bras droit. Le bras droit, voilà, c'est. Voilà, le cadrage, il est prêt, j'introduis et puis. Et puis voilà. Est-ce que vous avez un nom en particulier à donner ou pas du tout ? Non. Non. Ok, très bien. Alors, attention. 3, 2, 1, jingle. Et nous sommes en exclusivité avec des ravisseurs qui ont saisi un collier qui appartient à la reine et au gouverneur. On voudrait savoir un peu plus sur vos revendications, messieurs. On vous écoute, c'est à vous. Déjà pour commencer, peuple de Los Santos, je vais m'adresser à vous. Vous avez laissé en place une personne, vous avez mis du moins en place une personne qui justement est contre toute forme de justesse. Monsieur Montblanc, je ne sais guère quel est son nom. D'accord. Cet enfoiré, en effet, nous avons pris son collier. Nous avons pris son collier pourquoi ? Pour que justement ces revendications que je vais vous annoncer soient mises en place. Et pas que pour nous, bien voilà, les personnes qui nous entourent, non, c'est pour toute la ville. Aujourd'hui, monsieur le gouverneur, si vous voulez retrouver ce collier qui vous est cher, tout simplement j'aurai quelques revendications. La première, c'est trop chiant les annonces, les gens, ils font les annonces à rallonge. Bien dit total. Et non négociable des actions vis-à-vis qui ont été faites vis-à-vis des labels, vis-à-vis de la censure des labels et la censure de l'art qu'on connaît tous, qui est le rap. Suite à celle-ci, c'est suite à cet arrêt, nous demandons une prime de 20 000 $ pour tous les labels
tous les labels de Los Santos devront en effet avoir 20 000 dollars donnés de la part du gouverneur sur leur compte bancaire. Est-ce que c'est bien pour récupérer ce collier que vous revendiquez ça ? On est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Ensuite, pour ce qui est des civils, nous, nos concitoyens, nous, Americanos, hein, nous voulons des travaux dans les quartiers Jinglewood ainsi que dans les quartiers de la Colina. Pourquoi vous nous direz, vous direz nous ? Tout simplement parce que, avec les temps de guerre qu'on a connus par le passé, ce sont les civils qui ont tout pris. D'accord ? Donc ce qu'on demande, c'est des rénovations ainsi que la création d'abris anti-aériens pour tous les quartiers et plus particulièrement pour les citoyens. Eux n'ont strictement rien demandé. Enfin, une des dernières revendications est que monsieur le gouverneur, comme un petit connard, va venir dans les quartiers faire des maraudes obligatoires, donner des couvertures, donner je ne sais guère des trucs de premiers soins à tous les membres des quartiers, à chaque famille de quartier, et avec le sourire bien sûr. Une fois que toutes ces revendications ont été faites, nous nous engageons nous à donner le collier en main propre à celui-ci. Est-ce qu'on pourrait savoir à combien est estimé le collier ? Par pitié, le gouvernement ouvre l'hôpital du Sud. C'est un collier qui, je pense, est inestimable. Si je vous donnais un prix, je pense qu'on est au-dessus de la vingtaine de millions de dollars. Tout simplement. Très bien, très bien. Et dernière chose, est-ce que vous avez un timing, une date butoir à communiquer peut-être ? Une date butoir, je pense que d'ici 24 heures. D'ici 24 heures, si d'ici 24 heures, je n'ai pas une réponse claire du gouvernement ou du gouverneur, hein. Je pense que ce collier, malheureusement, ne le reverra pas d'aussitôt. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En exclusivité avec les ravisseurs, nous allons avoir un peu plus d'informations dans les 24 prochaines heures. Merci, merci bien. Ok, c'est dans la boîte. Fuck, coupez. Gang. Ok. Fuck you, fuck the goof. C'est bon. Encore five. Ok, bon, bah, je vais publier c'est ça bon, au plus vite, bon. D'accord. Ouais, ça c'est pour ta publication, ok. Merci, c'est merci. C'est première partie. Pas de problème, vous savez. Fuck the police. Tiens, nouveau jus, c'est bon. Man. Ouais. Fuck. Ouais, vas-y, c'est bon, pas de problème. Je fais comment pour vous contacter par Cali. Va te faire baiser. Va te faire baiser si tu veux envoyer ça. Tu mettras un son avec nous et on verra ce qu'on fait. Mais tu peux déjà appeler le gouverneur. Hein, et lui annoncer la nouvelle et peut-être trouver son collier à 26 putain de millions de dollars. Très bien. De toute manière, je vais en faire une vidéo là qui va être publiée assez rapidement. Faut que je vois avec mon moteur Hotcakes. Je vais lui laisser un message. Attendez. Ce qu'on va faire. Tu vas attendre ta voiture, on en va bouger. Tu comptes jusqu'à 60 et ensuite tu pourras partir de Lille. C'est bon ? Ouais, ok. Bon, pas de problème. Et quoi, père, Bugsy, hein ? Fais pas le con, hein. C'est pas de nos skis. Pas de conneries, man. Je suis pas là pour ça, moi, je suis pas là pour ça. Je veux que du scoop. On t'a donné un vrai scoop, man, un vrai buzz là. Bien sûr. Profite. Pas de problème. Fuck mon blanc, man. Fuck mon blanc, yo. Ouais. Yeah, gang. Allez, Cali, viens, on va faire. Merci, TBBKS, merci pour ton prime. Ouais, non, tu croyais quoi là ? Tu l'as rendu son thème ? Ouais. Bah ouais, man, je suis pas con. J'étais bien. Tu as rendu son thème, ouais, devant vous, carrément, sur votre écran. Il est heureux là. Et ça ouf. T'es content, Salva ? T'as du buzz ? Salope. Eh, ça se trouve, il va nous pookie, hein. Il va appeler un autre gang et on va se faire péter avec le colis à la sortie, hein. Mais c'est pas ça, il a mort le bras, frérot. Il est taille. Il est où mon tel, moi ? Yo, j'ai eu grave des appels, j'en ai eu un. On a eu plus que... Ah non, j'ai eu un appel aussi. Ouais. Ouais, dis-moi, Renaud. Ça va, tranquillou. Ouais, j'ai 30 tableaux si tu veux pour toi, mais j'ai quelque chose après le matos, ça je vais t'envoyer direct comme d'hab. Vas-y, je t'appelle quand je passe Englewood là, je suis avec les grands. Je peux pas. Les clés de la crack house, c'est pas moi qui les a. Putain de merde. Si tu veux, je te les donne hein, quand je te vois. Vas-y, ouais, si tu peux m'envoyer un double. Vas-y, carré. Bah je passe Englewood après là, je te dis, Renaud. Vas-y, bah tu me bip dès que t'arrives. Vas-y, à toute, mec. Vas-y, carré.
Comment ça le grizzly va plus vite que la buff? Bah ouais, tous les jours. Mais 100 fois, t'es bête ou quoi? Everyday man. Il y a Rifa qui attend devant le quartier. Nah, c'est salope pute, salope chienne. Il va le signer à Inier ou quoi? Je crois hein. Il dit pas Sadoka derrière. Ah non, j'ai eu peur. Non, non, non. Enlève vos cagoules. Il y a les Rifa au quartier apparemment. Ouais. Enlève vos cagoules. Makila, il est réveillé ou pas, les gars? Non, Makila, il est pas réveillé. Attends, non, mais. On fait quoi de toute façon? C'est bon? Je lui mets de l'essence, moi, juste avant. Je mets l'essence. Unicorn. Unicorn. Ouais, unicorn, je guette de loin. J'aurais dû mettre à Caillou, mais comme. Je guette de loin, je guette de loin, vas-y. Vas-y. On va se faire niquer, Renoir. Ça, t'es à la station là, la Wardog, la drogue. Je reste au-dessus, je suis dans la station. Je consomme plus d'essence que dans la station. Ok, vous avez pas la ref. Grave proche de la colline, ta station, frérot, mais au calme. Fume là, j'arrive japonais, comme une I5 Juke, j'arrive américain, comme une Ford Escape. Boum. Yo, vous connaissez pas le vrai Peura, vous, ça se voit. Vous écoutez que du Drake. Fuck, man. Fuck, je fais un wad carrément, je fais un wad mec. Fuck you mec. Fuck you to strap man. Fuck. Je vais te baiser toi, tant qu'on descend. Fuck mec, fuck. Je suis un gangsta man, je suis dans une voiture noire vite teintée avec que des Renault armés. On va tout niquer Renault. Let's go mec. Tu vas où? T'as un bidon? T'as un gros bidon toi, ça se voit. Que tu manges des cacahuètes comme un éléphant. Oh Driss, grosse bitch, tu parles quand on te parle ou tu parles pas quand on te parle? Non, je te parle pas. C'est bon. Ouais, moi je bouge le grizzly, je décale plus loin. Et Ah non, c'est une deuxième voiture ouais. De Capella, ouais, je crois. Les Rifa, ils ont. Est-ce que ça a passé hein? Ils sont trop très bien, très bien. Juste par rapport à partir de maintenant. Vas-y, on arrive, on est là dans deux secondes, là, je te leur dis. Hein. Mais ils sont là, hein. Ils sont là. Enfin, moi je peux avec eux. Hein. On est là, on arrive. J'écarte. Vas-y, vraiment. Et roule, frère. C'est cramé mec quand tu freines comme ça. Fais genre de faire un accident là, un peu plus loin. Encore. Ah là. Encore. Là, sur la statue, encore plus loin. Là, vas-y, là fais un accident à droite. Oh, oh bâtard. Oh. Sa grand-mère. Oh bande de bâtards. Yo. Don't move bande de bitch. Ah gars, il faut que tu tombes ta tête, yeah, ma gueule. C'est comment les gars? Fucking you! C'est comment l'équipe? Eh ouais, ça les gars. Dit quoi? Eh ouais, les mecs, trop de cerveau! Bonne soirée, vous les gars! Incroyable! Oui. Bien joué! Yo, fucking slobs! On va remonter dans vos voitures, les gars! Respect, man! On va remonter, les gars! Bien joué, vraiment bien joué! You will not have the crown, understand? Not crown for you! Je suis trop malin, les gars, pour vous! Je suis un Skittles trop intelligent! C'est bon! Dégage, cousin! Venez, on se pète, les gars, vite! Putain, mec, les gars, plan Skittles, je suis trop malin, les mecs! Va te faire foutre, Skittles! Vous savez, yo, va te faire enculer, man, bitch! Skittles, va te faire foutre! Fuck you, requin! T'as vu, man, j'ai. En vrai, si tu. Des plans comme ça, mec, si tu sais bien les faire, j'ai vraiment fait un bel accident, parce que là, ton accident, il était trop cramé. Ouais, si tu fais un bel accident, man, la vie de ma mère, ça passe trop crème, vraiment! Parce que les mecs ils te voient faire un big accident, ils se disent oh dinguerie, c'est maintenant. Et quand les mecs ils sont dans leur tête, ils se disent yo, là c'est le moment où faut le péter, ils sont trop contents et ils se font baiser d'un coup. Je te jure mec, ils voient rien d'autre que la victoire quand ils te voient te faire péter, ils te voient te faire un accident comme ça. Ouais mais c'est en fait le problème, je vais pas faire un gros truc parce que t'es, il faut c'est chiant. Ouais mais nique sa mère frère, si t'es sûr de les péter derrière. Là dis-toi vraiment on aurait pu les niquer de ouf hein. Ça, il est demande où ils sont, appelle Bruno. Oh le rancho. Spam pause. Attends, je l'appelle. Vas-y, retourne rancho. On les a pas vus. Il me répond plus, mène ça frère. Hein. Ah, je pense qu'ils se sont fait baiser. Ouais. On l'a plus, arrête de spam mon G. Ou de quoi, vous avez plus? Bah, Rifa. Ils sont devant. Ça se braque là? What the fuck man? Vas-y, Pato, renvoie le crâne maintenant, vu que t'es entouré. Et braque pas, faut pas mettre, rangez vos armes. Renvoie le crâne, Pato, maintenant. Si. Je suis un gangsta de ouf, moi, je braque tout le monde. Les gars, c'est bon, je rigole.
Eh, c'est qui a un donk? C'est qui toi? Vous êtes malade ou quoi? C'est salut, Flappy. Mec, c'est Flappy. C'est ça qui est trop beau, mec. Je vais le voler un jour. Non, mon gars, arrête, t'es sérieux ou quoi? Je te jure, un jour, je vais te le voler, man. Big Beach. Quoi? Y'a quoi là ici? J'ai un baillon si tu veux. Le Beretta il fait option God qui rentre dans son cul. Tout le monde le vu. Tu vas où, Salva? Il court jusqu'à où? Il s'est passé quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Les gars, venez me porter en balle, venez me porter en balle là. Ouais. Tu vas tirer à la mort par la voiture, ça me pète les couilles là. Bah moi je suis un porteur d'eau. Mais je peux pas, frère. Cousin, je sais pas. Je suis un porteur d'eau en or. Over en manque d'eau. Moi j'ai qu'un kill. Over en manque d'eau. C'est terrible ce qui se passe. Mes chers téléspectateurs, c'est magnifique. Faut pas te faire foutre avec ton donc. C'est succulent. C'est succulent. Ce genre d'image, c'est succulent. Fuck you. Fuck you, man. Il est où, Driss? Eh, parlez bien à la presse. Il arrive. Attends, je monte un peu là. Hein? Eh, réaction à chaud de votre. Yo, il est chaud ce mec. Fais gaffe, Renoir. Il est chaud de ouf. Non, il sait conduire. C'est un mec chaud, Renoir. Pourquoi les bateaux ils. Je te jure, laisse-moi me tirer dessus, fils de pute. Arrête de rouler, bâtard. Mais pourquoi on dit c'est conduire alors je conduis mieux que lui? Et qui a dit qu'il savait conduire? Personne a dit qu'il savait. Il où ça le va, fils de pute? C'est moi, c'est moi, mais bien sûr que c'est conduire. Ta grand-mère la pute, fils de pute. Viens, fils de pute. Si vous voulez, moi je conduis, moi je suis grave sûr. Fils de pute, va. Tiens, vélo, tu veux que je conduise, moi, dingue? Je la vache. Tu craches de ce tir? Fils de pute. Je l'avale, dingue. Tu craches à la gueule. J'avale, j'ouvre la bouche. Je me mets entre les deux. Ah. Ta mère la pute. Ils sont en train de se cracher dessus. Tu veux que je conduise? Là, les mères, je tire mère à eux là. Dès que leur mère à eux là. Non, tirez pas dessus. Vas-y, venons nique leur mère là, yo. Fucking bitch. Fuck you, man. Niquer ta mère! Fuck you! Niquer sa mère là! Tu peux conduire, Dash, je peux conduire! Ah ouais, si tu veux, attends. Si tu veux, moi je sais conduire, hein, je suis chaud, hein! J'ai pas le permis de l'insulter! Donne tes clés! Ouais, j'ai esquivé la bagnole! C'est bon, attends, je me casse de Driss, nique ta mère, Driss! Y'en a, il descend, les gars, vite fait! Ouais, pourquoi t'as fui? T'as cassé la voiture, pourquoi t'as fui? Bah frère, il me faut les clés, hein, sinon ça va nous mettre dans la merde! Et t'as dit de monter pourquoi, kids? Demande-lui pourquoi! Besoin de toi pourquoi? Demande-lui, je veux trop savoir, je suis grave impatient de savoir pourquoi. Oh, j'aime bien conduire. Nique ta mère, pourquoi les Mayans! Pourquoi t'as fait monter, kids? Tu veux quoi, toi? Tu fuck veux you, quoi fuck you, man, fuck you! Ah oui, fuck me! C'est Skittles! Essence Skittles. Je te baisse, Skittles! Je suis moitié essence. Pourquoi t'as fait monter, pourquoi? Vas-y, mets le plein, ça on est tranquille. Attends, Mayans, écoute, bison. Il a fait monter pourquoi, M-Kids? Pourquoi soit 4, pourquoi soit 4. Et du coup moi je suis, on est 3 du coup nous. C'est ça? Imagine t'es lent. Apparemment. Imagine je te pite et tu meurs là en 2 secondes. T'es quoi, viens, Kids? T'auras pas les couilles, Skittle. Mec, je te jure, je l'appelle. Cliffhanger jogging là, Mayans, c'est Cliffhanger jogging, dégage. Cliff Jogo. Les gars, je passe trappé moi, les gars. Ah ouais? Ouais, ils sont tous trappés. Mais il s'est passé quoi là du coup? Y'a des mecs qui se sont fait péter? Bah nous, le crâne. Pète pas, il récupère juste le crâne. Pourquoi t'as fait monter Melo? Je veux trop savoir ce que t'as dans le cerveau, Miki, ce soir, je te jure, je veux trop. Maquille, il est pas avec nous, on est. Non? On aurait dû répéter. Mais il a cassé la voiture, faut la réparer la voiture. Bah il l'a cassé, Melo. Pourquoi je me fais péter le trophée, le crâne dans ton avis là? Pourquoi je me fais péter? Non, ça on a réparé, mais juste t'as fait un truc de Golemont. Pourquoi tu pars de l'endroit où on est? Enfin, je sais pas. Non, c'est pas fini, j'ai encore le trophée sur moi, imagine quelqu'un m'a pété pour le trophée derrière. Et frérot, s'il te plaît, ce soir concentre-toi, s'il te plaît, je demande pas grand chose, mais juste allume le cerveau. Et le trophée, c'est quoi le but du trophée? Tranquille, non, tranquille. T'as de la carte, mon cher. Vas-y, appelle les. Moi j'ai pas d'oseille sur WAM. Y'a le compte en banque, t'inquiète pas, Skit, ça va. Ça va les Renois? Yo! Ça va et toi? Tranquille, hein. On se voit après, oui, si t'as pas les trucs là? Si, je les ai. Mais. Bah, bien sûr. Tardin, mais non ou quoi, les gars? Vous croyez que vous rigolez là? Vous croyez que vous êtes à l'aise quoi? Vous allez dire un par un, non, on va le dire tous ensemble. À trois, nous sommes nuls. Non, je suis nul. Parce qu'on va faire qui? On va dire à la première personne je. Vous avez compris ou pas? C'est bon. Comme ça, vous comprenez conscience que vous allez arrêter de faire les shows et que vous allez comprendre qu'en fait, chacun est nul. Petit glouton, va. Donc, quand je vais dire un, deux, trois. Vous répétez au moins 5 fois, je suis nul. Parce que vous êtes nul. Tu m'as tout pris. Vous êtes nul. Vas-y, dash. Mets-toi avec nul. Non, que non, t'es. Mais pas avec eux, moi. Mais pas si, avec si, eux. Tu es nul. Au nom, tu es nul. Au nom, je ne suis pas nul. Mais demande leur avis. Les gars, c'est ma faute ou pas? Soyez honnêtes, rituel. C'est ma faute ou pas, rituel de nul. Rituel moi, j'ai nul. Pas vu, j'ai pas vu. Rituel de nul. Rituel de nul, les gars, c'est bon, vos gueules. Vos gueules. On fait le rituel et après, on va parler. Vas-y.
Il est où Slim? On serait moins nul sans lui. Ta gueule, ta gueule, fais le rituel. Ok, ok. 3, 2, 1. Je suis nul. MKid maintenant, pourquoi tu es nul? Moi j'ai pas les mecs qui communiquent avec moi. C'est triste. Bernard Prod, t'es nul. Moi je suis un peu nul. Je spam dans le groupe pour faire des calls, y'a personne qui m'en répond pendant 10 minutes. T'es nul toi, t'es nul hein. T'as une timer ici depuis. Il a grave le seul. Mets ça, Prod, t'es nul. Bonsoir, je suis nul, j'ai eu une mauvaise carte. Attends, on est en rituel de nul. Tu peux savoir, Prod, t'es nul, mets ça. J'ai une mauvaise com, je suis nul. Ouais, j'ai nul hein. T'as une mauvaise com? Ouais, avec une com de nul. On s'est pas compris. Une vraie com de nul. Ouais, les gars, vous êtes nuls. C'est les nuls coliques anonymes. Mélo, je peux savoir, Prod, t'es nul. Ouais. J'arrive pas à conduire le grizzly. Tu aimes pas le dire, le grizzly. Il y en a beaucoup sur toi, il y en a beaucoup là. Il y en a beaucoup. C'est Kitty quand il conduit. Non, parce que il y en a ici, ils parlent, mais là de ma mère, vous êtes pire. Parlez pas. Force de baiser Kitty, t'as le sida. Je n'ai pas cartonné moi, BG1. Tu vises moi, je n'ai pas cartonné. Après, les gars, moi je vous le dis. Je vous le dis, vous savez quoi? On peut y retourner. Vous êtes nul. Non, t'inquiète, attends. C'est qui le plus nul? Ah, mais ça, on va le savoir, ça. C'est même ça, mais pour l'instant, Mélo, apparemment, tu fais partie des classements des plus nuls suite à ton accident et que vous êtes fait péter. Tout strap. Pourquoi t'es nul, toi? Parce que je suis un monkey. T'es un singe, toi? Oui, tu es un singe. Et je te le confirme, t'es un petit bonobo. T'es un petit monkey. Tu sais, tu es la race de bonobo, toi. Toi, tu es un bonobo vivant. Et je te le dis honnêtement. Tu es nul. Je suis occupé. Tu es un babouino, tel un bonobo. Tu es nul tel un bonobo en fait. Oui, mais Mélo, il va te rappeler qui tu es. T'es pas humain, t'es un primate. T'es un primate. T'es un primate sur pied. T'es pas un humain, toi. Ok? T'as il compris, ça le démoufle. Il conduit avec ses pieds, lui. Mange avec ses pieds, celui-là. Attendez. Skittles dans tout ça, Skittles. Vous trouvez quand même. Ah, mais là, on fait le tour. Attends, c'est bientôt mon tour. Ah, voilà quoi. C'est bientôt mon tour. C'est le tour. Bison, va à côté de Skittles. Bison, tu vas. Dès qu'à la droite. Bison, tu vas y passer. J'ai l'habitude. C'est la cérémonie. Mais Lily, pourquoi tu putes ta daronne? Je suis nul, hein. Je suis né nul. Je vais mourir nul. Belle parole de nul. J'aime beaucoup. Validé. Je valide. Tu es nul et tu resteras nul à vie. Et je te le confirme. Non, exactement. Mais t'aimes mon frère. Salva. Pourquoi après, tu pues ta tante? Tu pues, toi. Toi, tu pues le non, je suis pas d'accord le big, mais t'inquiète. D'ici, en fait. Tu vois, non, je te vois d'accord. Tu m'inspires la nullité. D'accord, le big. Non, on est ensemble. Mais pourquoi t'es de nul, du coup? What the fuck, I don't know why. Get the fuck out of here, bitches. Ok, sorry, my man. Yo, il a pas dit pourquoi il est nul, il triche avec son gros non, cul. Non, bah lui, t'es un faux nul, toi. T'as un gros cul. C'est vrai qu'il a un gros cul en plus. T'as un gros cul, ça. Driss. Alors Driss, moi je suis gazon. Alors toi, je suis grave gazon, les gars. C'est le pire, alors toi, Driss, je suis pas passé par le centre de formation. Mais t'es même pas un singe, toi. Je pourrais même pas te dire l'animal. C'est une vache. Putain. T'es trop nul. T'es trop nul. J'ai pas les mots, tu conduis une buffalo et nul. Arrête ça, t'es trop nul. Par pitié, je m'en supplie, je vais me mettre à genoux, espèce de nul que t'es. Va. Gros nul, t'es trop nul. Lâche ça, s'il te plaît. Par pitié, que Dieu m'écoute. Que Dieu m'écoute, il est nul, Driss. Il est nul, je vais aller prier Englewood, c'est bon. Skittles. Yo, bah moi je suis. Déjà que toi tu sens le caca. Moi déjà je suis né nul et frère, tu connais, hein, moi ça fait 7 ans je vais être ouvert, ça me recale, je pense que c'est pour ça. Mais tu veux que je te dise quelque chose? Ouais. En fait, déjà toi t'es un handic. Ben non, mec. En fait, déjà je vois. Si. Toi t'es trisomique, je suis désolé. T'es pas à 100% en fait, tu vois? C'est pas grave. Non, je pense que je suis moins handicapé que Mensa, mais en vrai, ouais, yo, je comprends pourquoi ça me recale dans les ouvertes depuis 8 ans. Je suis nul en vrai. T'as pas 100% de tes capacités, tu vois. Bah ouais, je suis nul. Tu pues. Tu vois, t'es vraiment pas de la lignée de Draco. On se le dit, t'es nul. Ça me fait mal d'arriver à toi. Ça me fait du mal d'arriver à toi, Bison. Le principal, c'était les 3 points. C'était le 3 points qu'on a pas réussi malgré la défense qu'on avait. Ouais. Débordement au milieu de terrain, on a rien pu faire sur un enjeu. Ah, écoute, c'est compliqué, ça nous a coûté un but, hein. L'erreur de Mélo, je vous le dis direct. Il y a aucun repli défensif sur Mélo. Mélo a fait une erreur. Où est-ce qu'elle est la couverture en fait? Nulle part. Il y a pas de communication en fait. C'est ça le problème. J'ai demandé au latéraux de jouer haut.
C'est moi. Pourquoi? Pour jouer l'offensif. Mais les gars, faut faire les efforts en fait. C'est bien d'attaquer. Mais faut faire le retour défensif. T'es malheur cardio à ces gros-là aussi. On défend à 11, les gars, on défend à 11. Mais du coup, Bison, j'aimerais bien savoir pourquoi toi t'es nul. Parce que je te le dis, tu es très nul. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme en fait. C'est à cause de Dosh. What? J'ai fait quoi? What the fuck? Bah, développe, non, mais attends, c'est gratuit ça, développe. Prends ma défense, yo, prends ma défense. Bon, c'est pas grave, on va arriver à Dash. Dash, qui, je le répète, hein. Le joueur le plus nul de la planète. le plus nul. Moi, je suis choqué. Tactiquement. C'est un bed, hein, c'est Germain, les gars, c'est Germain. Tu es nul. Tu es nul, y'a pas d'autre mot. Oh les bâtards, le weasel. Je peux m'excuser? Oui, tu es trop nul. Over. Je peux m'excuser les gars? Vas-y, excuse-toi maintenant, tranquille. Je tiens à m'excuser par rapport à toute l'équipe, même si je vous porte depuis bientôt plusieurs mois, plusieurs années pour certains. Je vous porte sur mon dos tous, bande de nuls. Mais je suis le chef des nuls, donc j'endosse mon rôle de capitaine. Ah, belle. Et je suis le plus gros nul. Maintenant, répétez tout ça après moi. Je suis nul. Je suis un peu nul. Je suis nul. Je suis nul, mais moi, que même ça. Prenez les hauteurs. Je suis grave. Yo, t'es devenu pas assez nul. Pourquoi t'es nul comme journaliste aussi. Écoutez, je suis désolé d'être aussi nul que Dash. Jamais. Mais j'essaierai de performer au prochain match. Voilà. Pas de galère, écoute, man. C'est pas avec le match, pas fini. Le match, il est c'est pas bien, fini. C'est bien les paroles. C'est toi. Bien les paroles, mais je vais des actes. Oh, c'est qui? Maintenant, vous allez tous voter un nul. Hein. Vous allez tous voter un nul. Je m'en bats les couilles. On est là pour abattre. Hein. On est là. Voter pour... où? Je suis là pour vous faire. Moi, je suis là pour vous faire mal mentalement, moi. Venez, fais comme Koh-Lanta. Vous pouvez aller en dépression. Je m'en bats les couilles. Vous allez voter. Vous allez tous pointer. Kids. C'est lui. Lui là-bas. Moi, je suis. Non, pointez du doigt contre sa grand-mère. C'est lui. Pointez avec vos doigts, les gars. Pointez avec vos doigts, les gars. C'est lui le plus nul. Bon les gars, maintenant regardez les gars. Maintenant, on est d'accord, on est nul. Mais là on va les gars, on va se battre jusqu'au bout. Vous avez capté? On a perdu la bataille mais pas la guerre. Toi là. Donc maintenant les gars, là ce qui va se passer, c'est qu'on va refaire la recomposition d'équipe parce que là c'était nul. Vous avez rien fait en fait, à part défendre, vous avez fait que subir, vous avez aucune possession. Allô. Enfin quoi que, on avait la possession. Et toi là, libère Moskim. Donc bref les gars, là c'est si on avait Moski, ce serait pas passé comme ça, je vous le dis moi. Ben moi déjà je vais vous dire, je vais prendre le volant d'une voiture. Moi aussi. Le volant d'une voiture. Non, on fait les mêmes équipes que avant-hier les gars, s'il vous plaît. Parce que moi hier, c'est pas les gars, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je suis nul hein les gars. J'ai pas le fleur. Non, fais pas ça, t'es trop fort. Si. T'es trop fort le quoi? On God on the five. Pourquoi on serait comme des golemons? Baba. Makila on God. Baba. Makila. Je sais pas, Makila. Baba, Makila, Baba. Attends, ça va, tu peux arrêter de spam des mots hispaniques en anglophone de Londres. La chapeau de ta sœur, s'il te plaît. What the fuck, Armano? What the fuck? Bien vu, ça va. Il va se prendre son coup de couteau, les gars. Il va prendre le coup de couteau. Ferme ta gueule, t'es nul. Toi aussi, t'es un nul. Tu peux fermer ta gueule, Salvan, s'il te plaît, please. Ok. Fresh ni bibon, bibon. Bon. Les nuls, bah les gars, déjà, on va tous sortir nos pétards, les gars. Tiens en l'air. Tous vos pétards là. Tous vos pétards. Tiens en l'air. En fait déjà. Et un Wizelist à côté de toi. Et en. Oh bah les couilles. Pourquoi j'en ai pas même. Il est où? Que t'es nul. Je t'ai réveillé à quelle heure? Ok. Réveillé, hein, à quelle heure? Dis-le devant tout le monde, gros nul. Je te réveille à quelle heure toi aujourd'hui, Bison? Bref, c'est pas grave, de toute façon, les gars. Là, on va faire la compo d'équipe là. Là, la composition d'équipe. Ok, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais prendre le véhicule d'Appui Fallou. On met des chefs d'équipe, on choisit un joueur, non? Comme à l'école. Comme EPS, comme EPS. Ouais. C'est le gros qui va rester en dernier à chaque fois. C'est le gros. Un salva. Ah. Le gros. Mais vas-y les gars. Caméra Maxime. Ouais. Yo Maxime Diallo de Grey. Là on va faire la compo là. Là on va faire la compo. Moi je vais prendre un véhicule. Ok. Attendez avant que vous partiez, j'ai un truc pour que vous soyez un peu moins nuls les gars. Une petite information, d'accord? Dis-nous. Oui. C'est une information assez importante. Vous en faites ce que vous voulez. Dans deux jours, que ça vous concerne ou pas, je vous le dis. Dans deux jours, le labo de cocaïne, il va se faire sauter par la DOA. What the fuck, what? Man? Oh my god. Yeah, my god. Yo. Du coup, voilà. Faites attention.
Oh, moi je touche pas de la coque dedans, mais faites attention quoi, voilà. Allez, moi je laisse là. Vas-y, Renoir, Renoir nul, vas-y. Hein. Au revoir le nul. Vas-y, merci les nuls. Salut Mexi, salut Mexi, salut. Bonne soirée Mexi, bonne soirée à toi, prends soin de ta famille. Prends ta famille, bonne soirée. Également. Exactement, putain, prends-moi le cul Mexi. Bref. Là, je vais prendre un véhicule. Et qui veut rouler? Moi! Je suis une masterclass de la conduite. Ok, Mkid, tu vas rouler. Moi, Mkid, il va rouler. Ok, et Skittles, il va rouler. Moi, je joue pas, t'as j'étais nul. Donnez la clé à Skittles, le rat. Driss, il sert plus à rien dans le groupe. Non, pas le rat. Non, bah non, tu restes, Driss. Je peux avoir la Buffalo S? Non, c'est Mkid. Ou le Grizzly? C'est Mkid. Ok, du coup, en gros, je vais être nul parce que c'est moi, je vais me faire péter. Bah quoi? T'arrives pas avec l'oracle? Si, si, l'oracle, c'est bon. Bah donnez-lui les clés les gars, qui a une clé d'oracle, il va vous la rendre les gars. Give me the key man. C'est quoi le numéro de clé? Aujourd'hui fuck le biz mec, aujourd'hui je suis en mode gang. Et là du coup c'est qui a le crâne là? C'est Riford, c'est les... C'est Lazaro, le gros crâne à Lazaro, fils de... Oh là là, le crâne à sa mère fils de... Vous avez prévenu qu'on allait les rechasser? Moi je lui ai dit hein. Bah au début nos gars sont venus derrière, ils ont pris mon... le dos. Vu que le Grizzly fumait, vu qu'il était en panne, le Grizzly, ça va rien que je récupère, du coup je dis vas-y, garde. Tu fais une blague, je dis vas-y, on te braque, je dis vas-y, barre-toi. Et les gars, en fait, la différence, c'est quoi la différence de la composition? C'est que les gars, il y a plus de secoureuse, les gars. De quoi? En fait, secoureuse. La secoureuse, les gars, il n'y a pas de secoureuse. Ah, les secoureuses. Ouais. En fait, il faut une petite voiture. Il faut une petite voiture, les gars. T'as vu, mais ça, si on a été en plus, on aurait pu le faire. T'as une petite qui vient porter son soutien quand l'autre il a des galères, c'est tout. Mais bon aujourd'hui les gars, pas de transac, c'est bon, on va faire une petite coupure là, avoir un peu bref, de gang. Bref, t'as vu ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que vous allez rouler. Dès que vous voyez des rifas, déjà préparez déjà une communication chacun entre chaque véhicule. Hein. Bah attends, faut bien, on fait d'abord les voitures, on sait même pas qui est avec qui. Mais faut surtout réfléchir à des plans les mains, parce que les rifas. Mais non, Amélie, c'est bon ou pas? Vous avez con. Moi je sais pas. La dernière fois les gars, non? On fait comme la dernière fois dans tous les cas. Comme on était là, non? Moi je prends Mélo, Mélie avec moi. Les voitures d'habitude, les gars, de toute façon, elles sont bien, les voitures d'habitude. Mais moi je suis pas dans les voitures d'habitude. Les mêmes qu'avant-hier. Attends, venez, on se met à côté. Tiens, j'étais pas dans. Ok, moi j'étais avec qui? Moi j'étais avec Dash. Bison Salva, moi. Bison Salva. Toustrap, Driss, Skit. Et eux à 4, c'est bon. Et Mensa avec Driss. Mensa, vas-y, carré. C'est bon. Avec Skit, Mensa aussi. Non, ok, prépare. Fuck Mensa, mec. La voiture, etc. La voiture, etc. Elle est importante. Eh, gros, t'as vu, à chaque fois. Vous préparez une com à chaque fois. Et qui fait la com? Qui fait la com? Mon dieu. Vous arrangez. Et dès que. Moi, c'est Mensa, il me fait la com. Et les gars, attendez, ça c'est très important. Non. Et si demain. Ta mère, man. Les gars, voyez si. Les gars, faites toujours si. On sait jamais si on se fait chasser. Enfin bref, de toute façon, il y aura une autre tactique si on se fait chasser. Si demain, si on récupère le crâne, et on reprend les mêmes techniques, c'est-à-dire quoi? Si on se fait chasser, on se dirige vers un endroit, des points de rendez-vous. Comme la dernière fois, Vinewood, Wardog, c'est des points clés. Le problème, c'est que les Rifa ils suivent pas dans les ruelles, donc il faut réfléchir à des plans un peu plus malins. C'est pas des ruelles, t'inquiète pas, c'est pas des ruelles ce qu'on fait nous. Avec que ce soit Wardog, Vinewood. Vas-y, vous me direz alors, moi je connais pas vos trucs, vous me dites. Les gars, y'a qui est dans tout ce rap, il est là. Mais si un il se fait chasser, il envoie des pauses. Moi c'est tout strap ou même ça qui fait ma c'est strap, c'est strap. C'est qui? Vite, tout strap, ok. Vas-y, c'est bon. Donne-moi le. Non, vas-y, je le fais si tu veux. Tu veux, tout sera bon. Mais Driss, toi, t'es trop con du cul. Non, Driss, il connaît là. Vas-y, bah Driss, Driss. Mais nique ta mère, toi. Mais non, je te jure, t'es trop con du cul. T'as l'air, tu faisais des coms de Golemon. Ah, du coup, le mec à la com, il est forcément devant. Pourquoi? C'est une règle, genre. J'ai envie d'avoir la carte, fils de pute. Mais t'es nique ta mère, c'est pas grave. Ah, sur le GPS de la voiture? Je pense que la Buffalo, c'est rien que je la suive. Anticipe, au pire. Bah, il faut qu'ils me disent où ils sont, il me faut une com. La Sherman, elle était à droite, là, elle est sur la droite. À droite? Elle va faire droite, droite. Là, je refais droite, moi. Ouais. Là, toi, la face, à ta gauche. Ok, bon, attends, ça sert à rien que je les suive. Ouais, y'a 3 véhicules, tranquille, t'inquiète. Vas-y, on vous laisse en relation, vas-y, allez-y. Essayez d'anticiper, man. Voilà, comme WAM. Attends, y'en a une devant là. Devant, c'est quoi? C'est une Buffalo. Buffalo Rifa, ok, pardon. Vas-y, go là, sur la buff. Ouais. Yo, ow, bitch, fuck you. Après, c'est pas bloqué devant, ça aurait été propre de baiser, ils avaient perdu la vitesse. Ralentis, y'a la Sherman derrière toi. Fuck you! Fuck you, Rifa! Fuck you! Oh, le Grizzly! J'aime trop quand ça joue comme ça, tu vois. Ça joue pas en convoi, mais ça se regroupe parfois. Je pense qu'ils sont refaits droite, voilà. Ouais. Aïe! Quoi, aïe?
Non, c'est bon, je suis fou. Ouh! Comme disent les frères du continent. Mais essaye d'avoir une com, hein, frère, ce serait bien. Le twister, c'est une dingue. Ah merde, genre, déjà, si j'étais arrivé là, j'aurais été bien. Ouais, tu vois, c'est ce que j'appelle du tapage pas moche. Ça se tape, bon, logique, c'est un peu le but de l'event, il en faut parfois des petits trucs comme ça, donc voilà. T'as dit quoi? Ils font des plans à pied, eux. Ouais, bah comme nous, mais les bretelles, ouais, c'est. En vrai, je m'y attendais un peu. Ils font pas des plans dans des magasins. Y'a le baller derrière, si tu veux. Ok, je vous tape. Je vous tape. Attends. Et je vous tape. Mais t'es con, quoi. Y'a Cobbs derrière. Ah merde, en fait, tout le monde. Ah, what the fuck. Les gars. Oui, oui, allô. Vous voyez comment là, un baller dans un mur? Non. Il, ok. Fuck. T'es tout seul, là. Ok. Moi je roule, hein. Va vers le Weasel. Moi j'étais vraiment pris pour un fou, hein. Prends-moi une seconde là. Non, parce qu'en fait j'avais Pato devant moi et il a tapé un mur, j'ai dit je te tape. Ah, tu rêves trop, toi, arrête la drogue. C'est qui ça? C'est où? Oh là là. Attends, mais. Oh là là. Ah ouais, hein. Ah ouais. C'est oh là là. Je pense qu'on va bien mid-or, hein. On est au Weasel là. Non, t'inquiète, on va pas mid-or, mon frère. Ah si, peut-être moi aussi je vais, hein. On biche. On est au Weasel, non? Ouais. Là on est Weasel là. Ok, bah voilà. Ok. Voilà, bah fuck you man. Par contre, faudra juste faire attention aux cops quoi, on va devoir. Qu'est-ce parce que là, c'est tardé. Chier. Ouais, vous êtes où là? On a plus les bails. Ah ouais, je peux faire de report en fait. Je sais pas le staff, dire lag server et tout, mais. Vas-y, go aéroport. Oui. Je mettais le haut-parleur, my bad. Ah, il ressort à l'aéroport, la charmaine ressort. Côté Mezmonk. Vas-y, go Mezmonk. Ça va trop vite, on l'a plus là. Mais côté Mezmonk. Comment ça va trop vite? Comment ça va trop vite, frérot, on la tenait de ouf, nous. On la tenait avec l'oracle, frérot. Avec le Grizzly, normalement, tu la tiens, la charmaine, frérot. Non, parce qu'ils étaient sur une autre bretelle. Ah, oui. Je sais qu'il est incroyable, mon pack graphique au début. Ouais, il est trop nul. Il est trop bien, mon pack graphique, frère. Oh là là, il est trop con. Mais j'ai rien fait du tout, poteau. Mais. Oh non, skip, je vois. Ah ouais, t'as démonté des cops. Détruit, frère. Mais attends, mais y'a un problème, man, là. Oui, je vois des gens faire des trucs de ouf. Va pisser. Je suis Inglewood là, hein. Ouais, Inglewood là. Ok, attends. Pisse un coup, vas-y, on t'attend, balle. Je pisse. On a personne. Reste dans la voiture, on va pas t'attendre. Voilà. Non, mais c'est bon là, je. Je suis normal là, hein. Mais il est dans moi là. Bah non, t'as pas vu. C'est moi qui conduis. J'ai là. J'ai récupéré le volant, tu t'es assis sur mes genoux. Bah ouais, va te faire enculer. Qui fait ou pas sa bite dans ton cul là? C'est bon là? Ouais, oui, bah c'est toi, cousin. Non, en fait, t'as pété des cops, les cops ils vont voir notre véhicule, ils vont nous suivre. Mais ils vont rien faire. Ah non, arrête. Aïe. Oh, le camion, on s'est pris. Mais what, mes frères, je roule normal là, j'ai rien fait. Non, t'as pris un camion. Attends, prends le volant, je vais. Ok. Je vais le récupérer après, hein. Ouais, vas-y. Ah, mais là, faut mais je peux pas, mais non. J'ai pas les clés. Non, mais je peux même pas en fait, tu bouges pas dans la voiture. What? Attends, bougez pas d'ici, attends, je cache descendez, la caisse. Descendez. Bah, non, mais. Attends-moi. Ah, qu'est-ce qu'il fait? T'attends même pas Driss? Bah écoute, Driss. Je suis l'office de mais qu'est-ce que tu merde. Aïe. Mais wesh! Pourquoi je suis le seul à avoir un bug là? Je suis fou! Périscope, je fais que du sol sur périscope. Pourquoi je suis le seul à avoir ce bug là? J'étais vraiment le seul en fait. J'ai pas compris. C'est un peu bug, mais surtout ça vient pas de ma co, frère. J'ai aucune perte de co et tout. Je vais pisser les gars le temps que je me reco. J'ai trop envie de pisser là en fait. Je bois trop d'eau quand je suis en stream. J'arrive. Je regarde bien que ça me lance dans le chargement parce que si je me barre et que ça me met une erreur. Oh ouais, mais ça me coupe pas. Ah, j'ai vraiment un bug. Ah non, c'est bon.
Je fais que du sale sur Periscope. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis là, les amis. On n'est pas à Sun, y'a que Makeda, les Woodcast. Ouais, à mort. Hein. Oh, mais y a plein de... là, y'a plein de trucs à faire. Hein. Je vous dis, en vrai, ça fait plaisir un peu de jouer avec le gang parce que je joue pas assez avec eux. Ouais. Mais les feux, c'est bon, l'a récupéré. On l'a récupéré. Ouais, va au 7. Récupère quoi, le crâne? Oui, ouais. Va au 7, va au 7. La bague. Fuck you, bitch, salope. Va au 7, my G. Donc là, on va faire un cercle, on va dire on est trop fort. Pourquoi tu es trop fort? Pourquoi tu es trop fort? Ouais, les cracks, venez les cracks. Ça veut. Venez les cracks, bande des cracks là. C'est nous. T'as vécu la réparer les gars vite fait. Non, les gars, c'est bon hein. Les gars. Gardien, c'est bon. Ouais, j'ai réparé avant. Qu'il... Alors là, les gars, vous êtes des cracks. Vous êtes des crackitos quoi. J'ai pas les mots. J'ai pas. Bah ouais, mec. Hein. J'ai pas les mots. En fait, les gars, vous êtes. Vous êtes les goats. Nous sommes des les cracks. Sommes non, les cracks. Vous êtes tous des crackitos. En fait, Driss, t'es un crack. Merci à Makila. T'es trois un crack en fait. Merci Makila, ça me fait plaisir venant de toi. Et toi, tout strap, t'es bien plus qu'un, mais t'es bien plus qu'un singe en fait. Je suis un gorille. T'es un gorille. C'est Hong Kong. Oui. T'es un gorille, t'as morphosé. King Kong. C'est Hong Kong. C'est Hong Kong. T'es plus un bonhomme. T'es plus un bonhomme. King Kong. C'est Hong Kong. T'as bruché. Moi, je vais vous expliquer, bande de crack que vous êtes là. On a le crâne, bande de crack. Bande de crâne. Petite vanne. Bon. Dans le crâne à ta mère, fils de frère. Hamar. Il est là. Eh ouais, les gars, c'est pas des lol. Bref, les gars, je vais vous expliquer un bail. Là, vous allez m'écouter. C'est très important. Ok. Et vraiment important de fils de pute. Arrêtez de danser. Pardon, Manon. Je danse tout seul. Je peux pas contrôler. Bref, t'as là, c'est très important. Bref. Là, je te le donne, tiens. Là, les gars. On va tourner avec le crâne. Et les gars, si vous faites un accident, arrêtez-vous, c'est pas grave. Ça ne vaut pas de mettre en vie nos vies en danger, les gars. Vous avez capté? Le crâne, ouais. C'est temporaire. Si on le libère, on le libère. Les gars, si on se fait péter, on se fait péter. Ok? Mais commencez pas à croire, le crâne, c'est votre life. Ayez peur pour votre life. Vous avez capté ou pas? On s'en bat les couilles du crâne. Vas-y. Donc, t'as vu que... Bref. Si vous tapez, vous tapez, t'as capté. Voilà, si vous faites taper les gars, nique sa mère, hein. C'est pas grave, hein. On va essayer de le repêcher demain ou quoi, c'est juste ce que je dis de toute façon. Donc là, on l'a en notre possession, donc là, on va rentrer. On l'a revendiqué ou pas? J'ai l'air revendiqué sur le. Sur Darkshot, c'est bon. Sur Darkshot, là, on va rentrer, les gars, dans la phase de conservation du ballon. On va garder là, la possession. Là. On touche de ballon maximum. Moi, je vais me faire chasser. D'accord. Je vais provoquer la chasse, ok? Par contre. Je vais avoir des points de rendez-vous, les gars. Je vais avoir des points de rendez-vous. Ok. Wardog. Vinewood. Vinewood, voyez derrière la Pacific Bank. Ouais. Mm-hmm. Quand on dit on fait une Vinewood, hop. Il y en a, il se met dans la ruelle derrière Pacific Bank. Il bloque. Ok. Pensez à tout. Pensez à tous les plans. Il y a Wardog. Voyez Wardog, portée bleue. Portée bleue, là. Vers Ammunition, là, quand on passe, là. Ouais. Quand on dit on fait une Wardog, on fait une Wardog. Tous à Wardog, tac. Ça veut dire qu'il y a une voiture qui va passer, qui se fait chasser par beaucoup de personnes. Et hop, l'autre elle bloque. Qu'est-ce que ça, tu t'excites, frère? Oh. Vous avez capté le délire ou pas? Pas concerné, réponds pas, frère. Qu'est-ce que tu t'excites, le cul? Ah ouais, voilà. Amination, il y a quoi d'autre? Les gars, plan unicorn, hein. Il est connu, hein. Il y a unicorn, tac, vous bloquez. À chaque fois dans la ruelle, ça veut dire qu'on va passer. Il y a un nouveau plan qu'on a fait, si tu veux. Magasin de vêtements, du masque, on a mangé les mecs et. Tu piles en gros, ouais, tu cartonnes dedans et. Fake accident? Ouais. Ouais, en gros, les gars, vous êtes chauds, on fait tous les points de vente ou quoi? Tous les points de vente, ça, mec. Les zones, genre? Ouais, les gars, même les tatous, on va utiliser les tatous. Attends, unicorn, c'est où? Tu m'as dit derrière l'unicorn, là, on passe dans la rue? Unicorn, ruelle, vous bloquez, c'est tout. À l'arrière, genre là où il y a l'entrée du bureau, là.
Mais si tu sais pas, au pire, laisse conduire Driss juste pour le, la ouais, phrase. Ouais, ouais, c'est bon, on fait celle-là. On peut faire celle-là. On peut faire celle-là. Vous voyez, derrière entrée du bureau, genre juste à côté, il y a l'autoroute. Ouais. L'autre voiture, elle se met sur l'autoroute, elle bloque. Ouais, sur la route, elle est captée. Ouais, ouais, vas-y. Ok, ça, c'est plan unicorn. Faites gaffe, les RIFA, quand vous les suivez, frère, ils font des plans sur les bretelles d'autoroute où ils rentrent sur une bretelle d'autoroute, font demi-tour et il y a plein de mecs qui attendent dans des buissons. Là, ils nous l'ont fait, mec. J'ai pas été con, donc je l'ai senti venir et du coup, on s'est pas fait braquer. Non, mais ils sont malins, les RIFA, donc faites attention. Il y a que, et pour vous le dire, les gars, il y a que nous et les RIFA qui tiennent à chaque fois. Mais dans la voie, ils récupèrent de force. Non, mais du coup, là, préparez les plans. Dès qu'on se fait chasser par beaucoup, dès qu'une voiture se fait chasser par beaucoup, soyez pas pressés. Par le plan... Non, on tourne un peu. Voilà, vous tournez War Dog. Okay. Voilà. Bon, et vous savez, il y a quoi? Il y a quel plan aussi? Il y a quel plan? Toi, Skittles, tu le connais. Tu te souviens le plan mule qu'on a fait, BKM? À l'époque. Ouais. Okay, Rancho, bah, on fait... Voilà, Rancho. Vous voyez Rancho derrière, les gars? Mm-hmm. Voilà. En fait, en face de Rancho, là, la rue... en face de Rancho. Mais mets l'adresse dans le groupe, ils capteront. Et les gars, on va faire une technique. Les gars, Asgard aussi, on va l'utiliser, on va faire fake accident là-bas. Il faut qu'on s'arrête jusqu'à 22h, les gars. Vas-y. Jusqu'à 22h. Jusqu'à demain, 22h. Non, mais c'est pas mercredi ou jeudi. Non, c'est jeudi. Il écrit jusqu'à jeudi, 22h. Ah ouais, c'est jeudi. Jeudi, encore un jour, les gars. Jeudi, un jour, donc on va encore demain soir, yo. Let's go. Donc, voilà. Et je vais vous expliquer. Pour War Dog. On rentre côté pompier. Vous voyez, c'est où côté pompier? Côté la grande route, là, le pont, là. C'est bon. Je rentre. Oui, les gars, rentrez par là. Comme ça, à chaque fois, vous mettez. Vous savez par où vous allez rentrer. On rentre de ce côté-là. Attends. Les portes bleues, est-ce qu'il va direction. Il va direction Colina, ouais. Ok, parfait, on va arriver devant elle, du coup. Elle bourreau, montez le bourreau. On est bien. Demande-lui quand il arrive à la supérette. T'arrives quand à la supérette? Il a tourné à droite au niveau du. Ok, vas-y. Tourne à droite. On peut tourner du coup. On est dans les hauteurs de Elbow, il redescend. Ouais. Dude, fais gaffe au plan. Ok. Fais gaffe au plan, rentre pas dans les bails. Ok, on tourne au côté Elbow. Ok, on est à gauche. Tiens, sous porte bleue, War Dog. War Dog, porte bleue. Va à droite, War Dog, porte bleue, frérot. Je sais, tu connais. Je sais pas, c'est au porte bleue, c'est Frigid. On retourne côté. Putain, c'est. Côté fourrière. Fourrière, vas-y, tourne à droite. C'est mais devant nous, ouais, ils sont devant nous. Non, fourrière, c'est en face. Devant l'hôpital derrière la licorne là. On est derrière. Vas-y, on est loin. Il fait demi-tour. Essaye de bloquer. Demi-tour. Attends, il a du fils qui va essayer de bloquer. Ok, vas-y, demi maintenant. C'est bloqué. Dommage. On ne gêne pas. Trace. Il continue tout droit là. Ouais, derrière vous. Continue tout droit encore. Il va à Rancho. Rancho. Dis-moi gauche ou droite. Il va à droite. Pont vert. Direction Galoud. Il va à droite. Il va direction Galoud, droite. Ouais, je l'ai vu. Tout droit, direction Mesbank. Va, Mesbank, tu tournes à droite là tout de suite. Direction Mesbank. Non, après. Mesbank Arena. À droite. Regarde, t'as eu, tu m'aurais écouté. Ouais. Mesbank Arena aussi. Bon, j'ai pas le volant. Toujours Mesbank Arena. Direction Inglewood, quartier Wu. Vas-y, on est Mesbank là, non. Inglewood. Si j'ai Inglewood, on passe devant l'église. Inglewood. Ouais, je pense qu'il va aller à gauche, c'est sûr. Dis-moi si tu te rends juste à gauche ou à droite à chaque fois. Attends, on passe au parc. Là, il tourne là. Tout droit, il va tout droit. Ok. Il va passer devant l'hôpital d'Arlington à droite. Vas-y, non vas-y. Il passe devant la fourrière. Va tout droit. Fourrière. Va direct sur une corne. War Dog, il va War Dog. Encore Ils font un plan, Au motel, ils font un plan, rentrez pas. Plan motel, ok. Là, ils sont église à Rancho. Jackson, ouais. Dans le motel. Voleur, il est quartier Jackson. Quartier Jackson maintenant, tout de suite. On est hôpital là. Ok, quartier Jackson encore. Ok, on y arrive. Ah là, c'est qui ça? Oh! On a tapé Buffalo. Ouah, sorry mec! Jackson, à droite. Oh non, le tapez pas. Nique sa mère, le tapez pas. Yo, carrément, c'était un timing de merde. Aïe. Ouah, man. Il est sorti d'un coup d'un seul, je l'ai pas vu. Calme, c'est pas grave, vas-y. Doucement. Eh oui. T'inquiète, man, c'était un timing de merde, c'est tout. Je sais pas où il va aller. C'est derrière nous là, c'est vrai. Ouais, dis-moi. Je sais pas. Mais arrête-toi de son arrière, nous. Ah, on a Cartona et. Vas-y, elle bourreau. Quoi, tu t'offres? On se fait chasser par. Balleur. What the fuck? Oh, on s'en bat les couilles, ils vont rien faire de toute façon. Fuck!
Ils vont rien faire, ils vont rien faire, wow. On a pas le crâne, on s'en fout. What do you want, man? Allez, descends. Wow. Descends, dépêche-toi, Skittles, descends. Yo, comment ça, Skittles, man? Monte à côté. Fuck you, bitch. On a pas le crâne, les gars, je vous le dis. Fuck, man. Bah les couilles, Renaud. Monte à côté, dépêche-toi. Donne les clés avant. Attends, tiens. C'est quoi comme clé? C'est L, tiens. Je vais te dire, c'est la 83570. Et wesh, pourquoi y'a un poteau là? Pourquoi? Ouais, regardez ce pack graphique de con. Non, j'ai pas. Vas-y, monte à côté, mon passager. Vas-y. Ah, c'est nickel. Vas-y. Putain, okay, mais pourquoi y'a un poteau que je vois pas là? Ça va? Ton téléphone, mec, quand tu connais. Ouais, tiens, je te file. Parfait, gracias. Eh mec, on a les bons plats, man. C'est qui ces mecs? C'est des gars chauds, t'inquiète. Eh, vous aimez bien les Mayans, vous ou pas? Ouais, hein. Moi je. Parce que leur mère, c'est un peu des putes, j'ai remarqué. Non, c'est les Mayans. Ok, c'est bon, c'est les Mayans qui reprennent. Non, rien à voir, justement. Arrête de mentir. Bah non, je les déteste. Skittle. Mais fuck, Skittle, rappelle les Mayans, demande-leur. Hein, là, ramène-moi un man tout de suite, je les gorge. Fuck les Mayans, man. Ah ouais? Ouais, vraiment, je les déteste, ces Mayans. J'entends déjà sa voix, déjà, il m'énerve déjà. Yo! Mec, chill! Bon, Léon. Yo, Noche, t'es pas capable de te défendre toute seule ou quoi, mec? Comment ça me défendre toute seule? Bah ouais! Pourquoi t'appelles Léon? Je t'ai dit quoi, le business? Moi je travaille pour Léon, avec Léon. Bah ouais. Je lui en parle, c'est normal, et lui ça l'énerve, c'est normal aussi. En fait, ce qui m'énerve surtout, Skittles, c'est quoi? C'est quand tu menaces ma propre vie aussi. Quand tu dis J'étais pas nasmeux, mec, hein. Non, il m'a menacé, moi, il a dit, si y en a un qui respecte pas, soit je meurs, soit tu meurs. Mec, comme je disais à tes garçons avant là, man, yo, moi, mec, t'as foutu un sacré bordel dans. Enfin, toi comme moi, on fout du bordel dans le business de l'autre. Mec, si t'étais pas un chef des vatos, yo, je t'aurais déjà smoke, hein, c'est sûr, hein. Et je disais à tes gars, si t'avais pas un statut dans la rue et que t'étais pas respecté, je t'aurais déjà fait du sale, hein. Et c'est la seule manière pour laquelle je le fais pas, hein. Faut que tu comprennes quelque chose, Kittel, c'est que tu vois tous ces gens qui sont autour de toi, là, c'est des gens qui trabajent pour moi. Noche, c'est ma petite, elle travaille pour moi, ça veut dire que moi, j'ai plus le temps pour ces genres de... cette petite histoire de tableau, je sais pas quoi. Moi, je lui fixe des prix, elle se fixe à ça. Ça veut dire que là, maintenant... En fait, c'est soit elle meurt de mes mains, soit t'essaies de mourir, de la tuer, et c'est moi je vais devoir te tuer toi. Bah ouais, mais mec, on fait quoi alors? Moi, si je te dis, yo, tu niques le bis, tu niques mes prix et tout. Je lui dis, ouais, mec, on se met à 130, toi et moi. Moi, je fais quoi? Je viens te chercher toi et je viens de braquer toi, mec. Tu vas me smoke. Mais là, demain après, t'as une équipe derrière toi, mec. Le problème, Skittle, c'est que tu vois, t'as une petite faute commerciale. C'est que toi, tu vas t'acheter tes tableaux à 120, on est d'accord? Ouais. Jusqu'à là, on est bon, tu vois. Moi, concurrence commerciale, moi, le mec, il me dit, c'est de 110 à 140, moi, encore heureux, je prends 130, pas, du coup. Non, parce que t'es pas passé de 120 à 122, t'es passé de 120 à 140, man. C'est-à-dire que, mec, les fournisseurs, 130... ils me l'ont dit, c'est le maximum, 140. Donc déjà, mec, comment 130... tu veux qu'on fasse de la concurrence? Écoute-moi, non, tais-toi, toi. 140, c'est que pour mes plus fidèles clients. Il y a personne d'autre à qui je. Mec, c'est ce que tu dis. Je suis allé sonder, hein, parce que j'ai pas appelé Noche pour menacer pour rien. Je suis allé demander à des gars. Je leur ai dit même d'appeler Noche sans la connaître et tout. J'ai dit ouais, je te file son numéro et tout. Je te jure, ils étaient tout le temps 140, man. Non. Skittles, j'ai jamais entendu autre chose que 140, man. Bah, celui qui m'a appelé, c'est Boss. Et vu que je l'ai racketté, j'ai dit pour cette fois-ci, vu que je t'ai racketté de la plata. Mais c'est pas que lui, Noche. Il y en a plein. Hein. Dis-moi, hein. Parce que je travaille pas avec. Bah, il y a 3-4 mecs. Il y a Les Grapes, il y a eu LDN, il y a eu Kirk, là, le mec que tu parles. Il y en a eu plein, mec. Hein? Je les ai fait appeler devant toi. Enfin, devant eux, devant moi. Bon, je sais pas, j'ai perdu ma phrase. Mais bref, hey yo, j'ai dit appelle Noche devant moi, demande-lui les prix. À chaque fois, tu disais 140. Je te jure, vrai de vrai. Dans tous les cas, c'est un hasard. Hein. Dans tous les cas, de toute façon, c'était une embrouille entre vous deux. Moi, le seul truc que j'ai compris, c'est qu'en gros, tu m'as menacé moi de mort. Que si maintenant, on reste pas sur les prix ou on change de prix, ou qu'on s'aligne pas à toi, il y en a un de nous deux qui meurt, que ce soit Noche ou moi. Hey yo, et là, mec, à ce moment-là, ça me pose un problème. Comme là, je disais à tes gars, mec, yo, il y a des gars Inglewood, ils ont essayé de se mettre sur le business, les HPB. Mec, je les ai recadrés direct. Même les Suicide, ils ont essayé de se mettre là-dessus. Ils ont pris des Glock dans la bouche et tout, mec. Ils se sont fait lever par des équipes. Yo, si je voulais te niquer, mec, je l'aurais déjà tenté. Tu penses pas? Mec, c'est juste toi. Je sais que t'as un statut dans la rue, que t'es pas n'importe qui. Donc, donc je te respecte pour ça. Et mec, c'est juste la raison pour laquelle je t'ai paniqué. Sinon, je t'aurais appelé toi, je t'aurais dit fuck you, mec, baisse les prix et tout. Regarde, par ton respect, justement, regarde. On va avoir une bonne discussion une fois pour toutes sur ce sujet-là. Et après, on n'en parle plus. Regarde-moi mon fonctionnement. Moi, je travaille comment? C'est que les mecs, ils arrivent, je leur prends à 130. Je te connais pas, tu me connais pas, ok, pas de soucis, tu me ramènes 30 tableaux, ok, c'est 130. Ok? Tu continues à bosser pour moi au bout d'une semaine, deux semaines, tu me ramènes des livraisons de fou. Hermano, là, ça augmente. Là, 140.
c'est tout. Il y a pas de 150, 160, 1000 ou je sais pas, il y a pas de ça. Mais justement, 140, c'est que pour mes plus fidèles clients. C'est pour ça, il y a plus de concurrence à partir du moment où on touche le max. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je te dis ça là maintenant à toi, c'est fonctionne comme ça. Moi ça fonctionne comme ça. Regarde, j'ai que des tableaux qui tombent de pouf, ouais, je sais même plus quoi faire, tu vois. Bah tu fais la même. Bah non, parce que là, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, aller avec moi ou avec toi? Bah je sais pas, peut-être que des mecs de ton quartier ils arrêteront de vendre à moi par exemple. Bah non mec, hein, moi je leur prends toujours à 120 et j'ai toujours des tableaux qui pleuvent de toutes les secondes, hein. Mais perfecto, alors pourquoi tu me pètes les couilles? Si à 120 t'es bien. Non, parce que man, moi ça me plaît pas qu'il y ait des mecs qui se fassent de l'oseille avec mon bise en faisant plus d'oseille que moi. Tu vois? Je sais qu'il y a des clients à moi qui m'ont dit ouais, j'ai quoi à gagner à les vendre à eux. Je dis bah vas-y, va bosser avec des latinos, mais tu vas voir, Englewood, tu mettras plus jamais un pied. C'est juste pour ça qu'ils le font. Mais moi je veux des mecs d'ailleurs aussi. Tous les habitants, même avant, les mecs de la Colina et tout, les habitants des Rifa, les mecs qui habitent au quartier des Malo et tout, ils me vendaient tout. Parce qu'ils me disaient, ça, ouais, j'aime pas les vatos, machin. Et maintenant, ils bossent quoi? Ça, hermano, c'est parce que t'as des trous dans les poches. T'as pas le sens du commerce. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Yo, les tableaux, ils nous reprennent à 210, 220, 200, je sais plus combien. Yo, là, mec, me sous-estime pas parce que je suis un petit con, hein. Ouais, mais tu préfères justement faire un maximum de bénéfices sur les gens et du coup potentiellement perdre des clients et te rentrer dans des embrouilles de merde que augmenter tes prix. Tu vas perdre 10$ de plus ou 20$ de plus sur un tableau et du coup, tu vois, tu réfléchis avec ton cerveau. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi, mec? T'inquiète, ma stratégie elle est toute faite, hein. C'est que je voulais maximiser mes gains dès le début, faire le plus de bénéfices possible, ce qui a été fait, pour me lancer sur des business plus gros, ce qui est déjà fait. Tu capes, man? Mais que bien te fasse, Hermano. Mais du coup, mais c'est moi, toujours de la petite monnaie, tu vois, c'est toujours des petits cents qui tombent chaque semaine, man. C'est pour ça, moi mec, je vise plus haut que ça, mec. Toi, t'es un grand de ton quartier, t'as peut-être plus trop d'objectifs dans la street, vu que t'es arrivé en haut. Mais bien sûr que si, bien sûr ouais, que si. Ouais, mais t'as des Hermano, objectifs différents que les miens. Moi, mec, je veux être trop d'idées ouvertes et surtout, je veux rentrer dans les ouverts, mec. Mon objectif, surtout, Hermano, c'est de faire croquer les gens qui sont dans la merde. Tu vois, et c'est pas après 10$ ou 20$ que tu vois, je vais pas leur donner. Si à moi de les mettre bien, les gens, ils vont y prendre des risques de fou. Ils peuvent à tout moment aller en garde à vue, ils peuvent à tout moment aller prendre de la prison ou quoi. Moi, je les récompense pour les risques qu'ils prennent. Mec, si toi, t'es un clevard, là... Manu, c'est pas mon dos. Bah, mec, tu sais que 20$, quand en 3-4 jours, tu fais. Non, en une semaine, tu fais 1000 tableaux, mec, ça fait déjà 20K. Hein. Mais j'ai les moyens, c'est de les mettre bah bien. Ouais, mais on a moi, pas je les veux mêmes les moyens, mettre bien, mec, c'est pour ça, je te c'est dis. C'est mon objectif. On a pas les mêmes moyens, man, c'est pour ça. Mec, moi je te dis, hein, si tu veux, je suis ton modèle économique, mais c'est les grands, ils me l'ont regarde offert. Regarde la chaîne que t'as, mais oui, regarde le bracelet que t'as autour de ton poignet, hermano. Mais Skittles, j'entends que ton nom à droite, à gauche, Skittles par ci, Skittles par là, Skittles par là. Ouais, en plus, mais... à côté de ça, tu faisais même pas que des tableaux, tu faisais de l'or, tu faisais plein de trucs. Plein de trucs, man. Ben oui, hermano, écoute, je pense pas que le business de tableau, ça soit le premier de tes soucis. Je sais, man, mais yo, moi je veux pas de la concurrence déloyale, man. C'est pour ça, je vous ai dit, yo, soit on s'aligne tous à 130 et pas de cadeaux, et limite tes bons clients, tu peux les faire à 135 ou même 140. Mais mec, là, ils ont aucun avantage à aller voir moi ou toi, tu vois. Mais c'est ce qu'on fait déjà, Skittles. C'est ce qu'on fait en fait, hermano. Je sais, c'est ce 130. Que vous faites, mais c'est justement ça le problème. Si vous faisiez l'inverse, que vous faisiez 120 pour les mecs normaux et 130 pour vos clients bien, et ben un jour, si t'as envie de me baiser, tu dis vas-y, je mets à 140, bah les couilles de Skittles. Et là, mais mec, c'est le palier. On s'encule. C'est le palier minimum autorisé. Moi, hermano, je m'en fous. Moi, je veux du qualitatif. Je veux pas du quantitatif. Moi, je suis là pour faire de l'oseille, man. Fuck, ces petits mecs, ils bossent pour WAM, ils me feront de l'oseille, mais ils en gagnent aussi, hein. C'est pas 10$ qui vont changer leur oseille, hein. Ben moi, en tout cas, ça fait du bien de savoir que les petits, justement, qui sont dans la merde dans les rues, que je les mette bien, qu'ils touchent bien, pour qu'ils puissent être bien. Moi, j'ai fait l'inverse, mec. J'ai maximisé mes bénéfices au début, et maintenant, mec, j'ai eu accès à des business qui sont encore mieux avec tout l'oseille que j'ai eu. Et tout le sérieux que j'ai eu. Et du coup, eh ben je les mets encore mieux que toi. À l'heure actuelle, regarde. J'en suis sûr. Peut-être que oui, peut-être que non, hermano. Tu sais pas comment gérer mes gars de la Colina. Ou peut-être même les gars de chez toi. Des petits chez toi. C'est possible, hein. Bien sûr. Et de tous les cas, c'est pour ça que moi, dans ma tête, c'est une seule chose. C'est que je veux faire sortir les gens du quartier. Tous les gens, ils galèrent. Ils sont dans la merde. Mais qu'ils sortiront jamais du quartier. On sait tout ce qui se passe avec le gouvernement. Je te le dis, hein. Si je peux les mettre bien, en tout cas pour qu'ils mettent bien leur mère, leur père, leur frère, je le fais. Moi, je sais très bien, si ils sortiront c'est pour 10$ ou 20$, je le fais. Ils s'embrouillent pour deux briques de weed, man. Ils sont prêts à se tuer, mec. Crois-moi, ils sortiront jamais du quartier. Hein. Mais c'est pas. Et moi, mais le t'es premier, pessimiste. Hein. Mais t'es pessimiste, hermano. Tu crois réaliste, pas du coup en tes gars? Moi, je suis réaliste, man. C'est tout. Crois pas en les gars qui ont la même couleur de peau que toi?
Tu penses qu'ils sont condamnés du coup à rester je dans les quartiers? Eux, mais mec, je sais très bien que, mec, on est des Renois, on habite aux US et tu devrais te dire la même, mec. On est des Renois, on habite en Californie, man. Les flics, c'est des putains de Sistra, le gouv, il veut pas qu'on s'en sorte. Mec, on se fera baiser un jour ou l'autre. Et mec, demande à ton père, demande à tes ancêtres et tout où ils ont fini. Ils sont tous dans des tombes parce qu'ils se sont fait smoke par des ennemis. Et ben, mec, moi, c'est pareil. Tous mes potes, tous mes grands frères, mon père et tout le monde, ils sont tous en tôle ou morts par des hops. Eh ouais, man, y'a personne qui était dans sa villa et qui est mort de vieillesse à 88 ans. Non, ils sont tous morts à 32, 34, moins de 40, mec. Yo, bah, juste réaliste, mec. Tu peux pas te soigner dans l'environnement qui t'a rendu malade. Tu comprends? Je suis pas d'accord avec toi, encore une fois. C'est que deux opinions qui s'opposent, Hermano. Moi, ouais, je suis désolé, mais moi, mes grandés, ils finissent dans des. Bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui meurent. Il y en a beaucoup qui. Des frères, des sœurs qui meurent tous les jours. Mais il y en a aussi qui finissent dans des villas, Hermano, et qui bossent pour des gens beaucoup plus puissants que vous. Mec, je te le souhaite, et moi carrément, je me le souhaite, et je le souhaite au Renaud Jinglewood, hein, mais mec, moi je te le dis, hein, carrément. De ramener un Pompeii Naka, mais ce qui s'est pas, Dash, c'est que j'ai pris à la lettre, hein, ce qu'il m'a dit. Hein. Je vais vraiment ramener un Pompeii Naka dans ma vie. Je dois mettre combien de bouteilles d'eau par truc? 3? Ok. T'es au courant que 15 x 3 ça fait pas 48, ça fait 45? Ouais, je sais, c'est juste que j'en ai pris en plus. Enfin, ah, okay. Ça m'arrive d'en boire. Tu bois? J'ai soif. Ah ouais, c'est. Ah ouais, comme ça c'est ta soif, on sait jamais. Voilà. T'es pas con, man. T'as vu, mec, j'ai bien fait ça, hein? Ouais, tu fais bien. Et ouais, Renoir, moi je suis un gars chaud, frère. Ça me sous-estime toute l'année, là. Manque plus que la haine. Si vous saviez. J'ai du mal à te dire. Pourquoi je te dis. Mais je vais rien vous dire, arrêtez de me dire Angelique et tout. Merci Stranges Fox. Merci pour ton sixième mois, mon gars. Ça fait plaisir. Je suis tout en haut, je suis dans la suite. Je peux tout expliquer sur un hit. S2M108, je te dis que je peux tout expliquer sur un hit. C'est pas ça. Écoutez mes potes. De mapper ça. Ma mère. Comme un fils de ma mère. Comme je vous ai dit, vous avez pensé à tuer. Ça reste ma femme. S'il y a quelqu'un qui doit le tuer, c'est moi. Il a commencé à réveiller la gueule. T'as vu, qu'est-ce que je t'ai dit? Oui, il manque un bout. Est-ce que je t'ai dit, moi? Je l'ai pris comme un fils de pute. Est-ce que je peux lui mettre un pouce dans le cul? T'as un big FDP. Tu veux mettre des pouces dans le cul? C'est bon, les man, j'ai fini. Vous en pensez quoi? Ouais, c'est bon. Franchement, l'exécution 6 sur 7. Hein. C'est pas symétrique. Hein. Ouais, c'est pas symétrique, j'avoue, je tremblais. Bah voilà, tu ranges au palais ouvert, t'as gagné. Voilà. Mais non! Vas-y, venez, on va niquer les vatos là. Attends, il y en a une deuxième à faire. Mec, on fait une deuxième, après on y va, on va enculer les vatos. Ouais, on baise les vatos. Ouais, on baise les vatos. La pute de mer à Juninho. La gueule de la chop qui va péter les vatos si c'est nous. Ouais, on nique les hamos. Oh, j'ai une question. Faut pas qu'il aille se lève, hein. J'ai une question à te poser, Salva. Eh, quand on nous dit, c'est un bon truc, hein, je pense. Tu mets Skittles et moi face à face, ok? Ouais. Avec un strap. Qui baisse qui? Demande pas. Je t'aime, mon frère. Hein. C'est que je t'aime de fou. Moi, je pense qu'il t'éteint, Skittles. Frère Slim. Mais je pense que Skittles t'éteint, cousin. Je pense, hein. T'es sûr, man? T'es... Ouais, bah, je pense un peu, non, minimum. Ouais, en vrai, c'est vite fait, hein. Vraiment vite fait, hein. Un peu plus maintenant, quand même. Et toi, t'en penses quoi? En vérité, Slim, t'as vu, on se pose, on en parle sincèrement. T'en penses quoi, toi? Je pense que de tout Los Santos, hein, actuellement, t'as vu, je suis le mec le plus nul. Non. Quand je vous dis nul, les gars. Je vous jure, les gars, vous avez pas vu Tess avec une arme, la vie de ma mère. Ouais, Tess avec une arme, je pense que c'est pire. Bien, Iris, Tess et tout. Vas-y, on va réduire les filtres. Imaginez Kitty avec une arme. De tous les gangsters. Oh là là. Gangsta, mais
Écoute, écoute, de tous les gangsters, de tous les gangsters de Los Santos, je suis le plus nul. Ça, c'est certifié, c'est sûr et certain, tu vois. En vrai, moi aussi, hein. Il y a Pugneton, il y a Pugneton. Il est trop nul. Oh là là, lui, lui, il va se trahir lui-même, la vie de ma mère. Bison, ça se voit, il est con, il est nul. Il est capable de se tirer dessus. Bison. Genre, si j'ai un souci, j'appelle Bison, je reste à côté de lui, cousin. Ah ouais? Ouais, je reste à côté de lui, cousin. Moi, c'est M-Kid, moi. Stone of shit, va! Va te faire enculer! Allez-y, allez-y. À qui le doigt? Yo, suivez-moi, man! Venez, on l'éteint, sa grand-mère! Ouais, il est enfant! Eh, hey, les gars, venez, on encule Stona, pitié, yo! Non, y'a ta tête! Eh, suivez-moi, suivez-moi, là, venez, on use Stona, là! Ouais, comment ça tu gèles? Yo, comment ça tu gèles off, man? Non, t'inquiète, 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 je vais mettre du gel dans mes dreads. Ah, dans tes dreads, dans tes off, dans tes off-white! T'as pas un peu pour cheveux, là, tu sais, pour que ça tienne. Okay. Ah, vas-y, dès qu'il rentre, venez, on l'éteint. Venez, on va devant la scène, devant la scène, devant la scène. Venez. Ah, vous collez pas, mais genre proche. Je jure, vous êtes des bâtards. Mais c'est notre connard. Bon, ouais, il est où le flopper là? Flop pas s'il rentre. C'est vrai? Ouais, bah. Las Bricas. J'attends que le son il se passe. Las Bricas. T'as plus tous des fuck, les gars. Ouais, les gars. Bouh. Fuck you, ouais, Stona. Las Bricas. Ta mère. Fuck you, man. Oh, Stona, sale traître. Nul, j'écoute même pas. Ouais, Stona, arrête pas l'école, sale merde. Ça y est, Francky Vincent, arrête de danser. Fuck you, man. T'es nul, fuck you, man. Je découpe la prod en one shot. Sur ta tête, je mets des big shoot. Yeah. Pas vrai. T'as un bracelet en plus, Spooky, va. Stone, à la côté une stone assis représente la suprématie. Gang shit, toutes ces bitches sont en train de raccourcir ma durée de vie. Toutes ces poussées, tous les menus, chaque nuit sous Chico pourri. Deux ans d'olier, un homicide avant le terre. Tu vas derrière, tu vas me plaire, fais-moi plaisir. Pendant le tabou, je me fais jouer, je rentre. Cagoulé dans l'appartement, un calibre juste au corps entièrement. Je fais mon 3 fois filtré. Ouais, c'est comment il a su que le coste. J'en viens à descendre, il ouais, je me disais, il avait un million dans le compte en fait, non, c'est un clodo. C'est qui Tetris maintenant? C'est qui Tetris? Calmement te faire cracher tout ton sang. Avec Oda, cache en vrai, il est bon. Hein. En vrai, il est bon. C'est du RP, on le van. Mais... Avec Oda, cache, on fout les cordes dans la bâche. Avec Plax, on utilise nos swaps. Koda, bravo. C'est carrément fort, Koda, bravo. Retire mon nom son. Et 19 mg de codéine tous les soirs. Et 19 sunassi sur ta tête face à soi. Vas-y, prends le pouvoir, je te mets sans pouvoir. Je te jute au parloir, get out here. Poussi au gang, je me réveille, je fume la wish, t'es maman strap, il est lourd. Je vends la camine, 9 à Newt Street, 14 ans, je vends déjà des grosses doses. Young Lady dit de 9 overdose, fuck cette bitch morte, elle m'a envoyé 2 ans en toul. Fuck cette bitch morte, elle m'a envoyé 2 ans en toul. Fuck cette bitch morte, elle m'a envoyé 2 ans en toul. 2 ans en toul. Je me fais toul, sans les toul. T'as pas fait toul, acteur. Not on my mind, not on my mind. Not on my mind, king shit, girl sell drugs. I got bitches on my dick. Non, c'est lourd, hein. Il est chaud quand même. Hein. Parce que qui sait avant qu'il n'y a pas de coulis, non? Not on my mind, bitches on my dick, yeah. Supplie pas et de la dignité, step pas self contre les escaliers. Je l'ai chassé dans la cour de récré, wesh, je suis petit, mais je vais t'enterrer. King shit, ferme ta gueule, on va rentrer calibré. Yeah. Ferme ta gueule, on va rentrer calibré. Fuck you, Flipsider. Fuck you, Wangstar. Koda, oublie pas ta mère, c'est une prostituée, ça. Wangstar, full time. Wangstar, full time. Vas-y, nique le Koda. Nique le Koda. Vas-y, go pull up, go pull up. Oh, 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 ça se pétain. Fuck Stona, big wigga. Alors, fuck you. Comment ça part en couille? Arrêtez, sécurité. Oh, ça se bat. Ça se bat. Ça se bat. Voilà, rage-bas. Oh, oui. Ils ont tué un cops. C'est qui que ça fait rire là? Laisse-le, Stona. Yo, c'est chaud, man. Putain, c'est chaud, mec. Fuck you, Stona, Wangstar, full time. Sale Wangsta, bah, Stona. C'est parce qu'on bat, non? Niquez-vous, les gars. Casse-toi, baisse la bouche, casse-toi, hé, casse-toi, j'attends brouiller là. Circule d'ici là. Pup, c'est la sécurité, là, pas d'embrouille, là. Il pas d'embrouille. Flipsider, Flipsider de merde. Flipsider of shit. Je t'encule, moi. Tu sors, t'es mort. Va te cacher derrière les pics, là, va te cacher. Voilà, cache-toi derrière les flics, biatch. Sale faux noir, va. Fuck you. Fuck Stona, Wangsta. Bitch, va, piatch de merde.
Oublie pas, tu dois pointer, hein. Tu dois pointer ce soir, man. Il est trop mignon, il est trop mignon. Il a sorti un. Oh non, il est trop mignon. Ta mère l'a vu. Pas t'avais le couteau sous la gorge, un petit chien. Fuck you, Wangstar. Vas-y, viens, Skittles, on bouge. Ouais, vas-y, hein, mec, on retourne à nos affaires. Vas-y, Mali, gère avec les Wu, là, ils veulent te donner des briques. C'est bon, ils m'ont tapé, moi. Et tu me les mets à la crack house. Le dernier, le suit. Le Grizzly aussi, il était là. Allez, fais-nous aller le nord. Je le minot en montant avec le. Non, mais ils essayent de faire des les bretelles, c'est le nouveau truc ça pour baiser les gens. On peut faire un pillbox pour la Buffalo Rouge si tu veux. Mais de toute façon, regarde là, le nouveau plan là, c'est les bretelles, t'as vu. On rentre dans haute bretelle, si ils sont devant nous, tu veux une tube d'air. Là, dis-lui, on va être station essence au-dessus d'Elbourg. Tu veux qu'on fasse Buffalo? Puis on a lâché un. Là, il y a le Grizzly d'Arnaud. Eh ben, viens, lâche, rejoins-nous, on a le truc. Non, non, vraiment, la colle, on est deux, on la colle, t'inquiète, on va la passer. Bah, vas-y, carré. Ah, mais c'est le Grizzly avec nous, tu disais. Eh, il nous recolle ou pas le rappel en vrai? Il y a Vigero derrière. Parce que là, nous, on a la Vigero derrière nous qui nous recolle. La Vigero, elle a rien à voir. Vas-y, on recolle, Je sais pas. On recolle le bail. Lâche la Charman. Frère, la Charman, c'est la seule qu'on peut tenir, vraiment. Mais on a la Charman avec eux. Il y a le Grizzly chez nous et la Buff, ils sont sur la Charman. Sur le. Ah, mais c'est pas grave, ils sont déjà deux, c'est rien d'être trois, man. Ils sont deux dans la chop en ce moment. Le Charman, à tout moment, il fait une erreur, on le pète, c'est gratuit, man. Direction le temple là, elle est où? Il tourne à gauche. Et bah, Kela, il est avec vous ou pas là sur la chop? Venez avec nous, hein, Adres. Oui, ils sont en outcast là, club outcast. Ils ont repété à gauche, au niveau du Weasel. Ok, le Grizzly qui recolle. Oh, il va me baiser. En 2015. Ok, le Grizzly il a recollé. Nous, on est sur la Charman, on redescend là, pas le mina. Il va faire un accident, la vie de ma mère, il va faire un accident. Il va se manger, il est pas serein le cause. Wow, fuck man! Le contresens, c'est dangereux, mec! Il savait, hein, t'as vu, il était pas serein ce man. Oh, ça tourne pas, fuck cette caisse! Je pense me baiser avec un plateau là, vraiment. Ah non. Vous l'avez? Carré, super. Ils l'ont chopé? Ouais, c'est bon, carré. Ouais, les gars. Va vers lui, dis-lui qu'on l'a. Ouais, les fuck gars. You, man! C'est bon, vous avez plus le crâne, les gars. Vous avez plus le crâne. Klaxon, klaxon. Le crâne à ton père. On a le crâne à ta merci, mère. Merci, les gars, on a le crâne, merci, les gars. On a le crâne à ton père, bâtard. On a le crâne, les mecs. Suis-le pas, ça. Hein. C'est pas la Rifa, gros menteur. C'est bon, ça sert à rien de le suivre. Je le chasse juste pour le. Tu la récupères le ballon, on va. Merci, Asoukri, viens, on y va, je le pull up. Fuck you. Non mais t'es con quoi, ils veulent nous chasser du coup là, ça rien de le suivre. Soucré c'est ils pas sont un... cons. Ils sont même pas au courant, ils sont même pas au courant. Mais ils sont cons, mais ils ont le dark chat je pense, non? Même pas. Soucré c'est un Rifa non? Ah ouais, c'est un bateau. Oui mais là c'est pas... ça a rien à voir. Et merci pour le crâne l'équipe. Fuck you, les Rifa ils sont en bleu man. On a changé de couleur. Ah ouais. C'est le gris maintenant. C'est même pas Nardo. Ouais Renaud. Allo, pourquoi il chasse la Charman S'il te plaît, je sais pas, il est con, lâche frère, pitié. Vas-y, dites-leur Inglewood hein. Mais on a, oh là, il est trop con. C'est bon, il lâche. Ouais, c'est bon, il a lâché. Vas-y. Fuck man. On arrive au 7. Eh. C'est qui eux? T'as vu, Kala, moi je vais te dire hein. Qu'il y en a un derrière mes petites manques de respect. C'est qui ça là-bas? Allume-le, hein, je m'en bats les couilles et ils sont prévenus. Ils savent que les cousins, ça va se faire égorger ou ça va se faire tuer dès que ça manque de respect à des têtes, t'as capté? Maintenant, tu te doutes bien. Non, mais voilà. Nous, moi je vais pas te mentir, en fait, la meuf. T'as vu, si on lui a tiré dessus, c'est pas pour rien. Tu te doutes bien, je vais pas venir chez toi. C'est pour moi, restez ici, ramenez vos culs ici. On n'est pas assez con pour venir chez toi, sachant que de base, on discute encore avec vous. On va pas venir ici à la Colina voir une meuf et sachant qu'on sait qu'elle habite ici, il lui shoot gratuitement. Tu te doutes bien qu'il y a une raison et qu'on a nos raisons derrière. On n'est pas des fous en fait, de la gâchette oui. Ou quoi que ce soit. En fait, oui, c'est pas question de fous de la gâchette. Eh, bison, il manque. Donc, en fait, t'es tombé sur la meuf. Plus fort qu'à là. C'est que t'es tombé sur la meuf qui. Tu vois, je vois pas pourquoi elle t'aurait mal parlé. Tu vois, c'est pour ça que je vais attendre sa version, tu vois. Parce que c'est la meuf qui est. Les gars, on est d'accord, Raquel, on parle de Raquel, on parle de, ah mais de la meuf qui... Les gars, pétarder une meuf pour des... parce qu'elle a dit des rigolos. Non, non, bon après ça c'est un petit chez moi qui le dit envers vous. Non, attends, écoute. En gros, c'est un petit chez moi qui dit ça à toi, Makila, je comprends. Et c'est... Ils sont pétardés c'est, dans... C'est, ah, c'est, okay. C'est compréhensible, tu vois. Ah, ok. Merci de l'info, mais, ouais.
Mais voilà, tu vois, au moins t'es au courant. En fait, Makila, dans l'histoire, le problème c'est que tu shootes chez moi devant mon garage. Ouais, ils ont des normal. Voitures, hein, et tu sais quoi, bien le blanc, ça rend trop bien. Si vous m'appelez pas, ce n'est pas normal. C'est ta réaction, votre réaction, elle est normale. Maintenant, moi je te dis, cousin, que t'as vu, on... en fait, le truc. Boller, c'est déjà... Buffalo, Greenwood, Buffalo. Dash, je sais pas pourquoi bien. D'un coup elle s'est mise à mal parler. Enfin, mal parler en mode apprendre comme si on était des typeux. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? C'est pas parce que je viens, c'est pas parce que Dash il vient, il parle. Que forcément on va draguer, on va lâcher une vanne ou quoi que ce soit. Moi j'aime bien, franchement le bowler, j'aime bien la gueule qu'il a en fait. Mais là la réaction en fait, vraiment, la réaction de la personne c'était en mode des rats qui viennent voir en mode ah. Regarde Makila, j'ai déjà rentré. Tu vois ce que je veux dire, c'est. Regarde, t'as vu demain il y a un petit chat qui part comme ça, t'as vu je suis le premier à tirer dessus, c'est pas un problème. C'est devant mon garage qui me dérange Makila. Non, c'est à l'intérieur du quartier cousin. Après comme vous a dit, c'est pas l'intérieur du quartier, mais après. C'est l'intérieur, si, si, c'est juste à l'intérieur. Après moi je vais te dire, que ce soit en Chine, tout ce que tu veux. Cousin, il y a personne qui va faire des disrespects gratuitement, t'as capté. Et la réaction, en fait, t'as vu, si ça doit se reproduire, ça va se reproduire. Parce que comme toi, Kala, il y a personne qui va te manquer de respect, que ce soit à Inglewood ou à la Colina, on s'en bat les couilles, t'as ton honneur, il y a les codes de la rue qu'on transgresse pas, en fait, tout simplement. Et t'as vu, je vais pas te mentir, même que ce soit chez le quartier des Vatos, que ce soit chez n'importe qui, j'aurais fait pareil. Tu vois ce que je veux dire? Oh ouais. C'est même pas parce que c'est vous ou quoi que ce soit, non? Pas pour dire ah mais c'est les malos, bah les non mais Makila, ce soit n'importe qui, même le pire ennemi, le RSS, tout ce que tu veux cousin, on aurait la réaction, elle serait restée la même en fait, tu vois, comme ça tu sais. Maintenant moi t'as vu, bonhomme sait reconnaître, t'as eu le territoire des gens, t'as eu moi vous êtes un set que je respecte, y a pas de problème, t'as eu. S'il y a compensation, il y aura compensation, Kala, t'as vu, juste parce que je te respecte et je respecte ton set. Mais t'as vu, ce sera pas une compensation à croire, tu vois, non, parce que nous, cette meuf, elle signifie rien pour nous, t'as capté? Donc maintenant, si elle signifie beaucoup pour toi, Blazix, ça dérange gros, que ça s'est Blazix, fait chez toi. Blazix, je t'aime, dis ouais, si je rosie, oui, d'où foufou, si je furiosis, si vous dites une fois d'IDB, bonne soirée. Tout de suite, non, mais toi, t'es dispo dans combien de temps? Le G quand t'es dispo et on s'arrange. Vas-y mec, d'ici... Ouais, d'ici 30... Même pas 20 minutes. Comme tu veux. Comme tu veux. Quand t'es dispo, envoie-moi une position. Ouais, comme tu veux, ça c'est... Vas-y, c'est bon man, je t'envoie ça alors. Je sais même pas que... Allez. Vas-y, à toute big up. Pour moi, c'était vraiment bidon, tu vois, c'était... Pour moi, c'est merci Limsa, merci pour ton 4e mois. Puis, là, comment ça j'ai grossi? Attends, moi je savais pas que c'était si... Une membre de votre famille, une membre à part entière de chez vous. Donc voilà, je comprends la réaction. Ça me suis déplacé, moi, qu'il a. Hein. Il m'a dit que c'était quelqu'un de ta mif, du coup, par respect, on est venu, hein, tu connais. Ça m'étonnerait pas, j'ai grossi. Ça serait même pas quelqu'un de ta mif ou quoi, t'aurais même pas appelé. On non, je, ça couilles, serait vraiment. Un habitant, je m'en bats les couilles, je te mens pas. Si c'est une histoire comme ça, je m'en bats les couilles. Mais là, c'était. En plus, c'est pas que. C'est elle. Ah, c'est pour ça, mais vas-y, bref, tranquille. Vous êtes venu, on s'est expliqué, moi je vais parler avec elle et je vous tiens au courant. C'est bon? Après Makila, tu parlais de son frère, Lila, si tu veux lui parler. Ouais, juste les gars, je vous dis, il y a un hélico, il y a le gouvernement juste à côté là au niveau du LTD. Donc je vais aller les voir, je vais voir ce qu'ils veulent. Donc voilà. C'était armé les mecs du LTD. Hein. Ouais, je sais. On vient? Qui veut me parler? On dirait qu'ils ont d'autres problèmes. Qui Armano? C'est moi, devant toi. C'est toi, ta soeur. Bref, t'as vu, regarde, je vais pas te mentir, ta soeur elle était au bigot. Voilà ce qui s'est passé, moi c'est même moi, je l'ai braqué. Elle était au bigot, Dash il a dit vas-y retourne, viens on va lui parler. Elle dit bonjour, elle dit quoi, tu veux quoi? Après elle dit attends, il y a des rigolos qui me parlent. T'as pris de la bidoche, okay, la bidoche, tu trouves, j'ai pris de la bidoche. Moi qu'est-ce que je fais? Je lui montre juste j'ai un pétard par la fenêtre. Je lui dis vas-y, bouge. Tu vois ouais. Elle fait la meuf qui cale la poche, sort. Je dis j'ai un pétard, t'as vu, rentre dans ton quartier, c'est bon, c'est mieux pour toi. T'as vu, parce que pour nous c'est même pas une malo cette meuf là, tu vois. Maintenant on vient de savoir que c'était une malo, ok, y a pas de galère. On lui dit vas-y rentre chez toi, c'est mieux pour toi. Et la meuf, t'as vu, elle a juste nié en fait. Hein. Elle a juste fait comme si on était des fantômes, t'as capté. Du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle a juste pris une balle dans la jambe, voilà, c'est tout. Bah moi je pense que c'est juste pas que vous étiez dégrandé les gars, je peux pas mentir. Hein. C'est ce qui s'est passé, hein, je te le dis. Hein. Franchement, ouais. Et que ça aurait été n'importe où, chez n'importe qui, on aurait fait pareil, cousin. T'as vu, y a pas des meufs comme ça, enfin des meufs. T'as vu, des gens qu'on connaît pas, t'as vu. Tu vois, on parle, on est des humains. Je pense qu'il y a un minimum d'éducation, non. Les gars. Non, on est des sauvages. On est des sauvages. Moi, je mange avec mes doigts. Non, okay. Mais et du pain. Compris. Okay. Mes pieds, moi. Non, même. Ah, après, je vais pas te mentir, de toute façon, c'est Kala, il a dit que c'est carré. Les subgifs sont remis à 0, les frères. Bernard, il mange avec le. Les gars, ça braque Kala. Vas-y, allez. Les mecs qui ont des armes. Je vous avais plus de soucis, les mecs, allez-y vite. Vas-y, c'est carré. Oh la dinguerie.
Vas-y ton chignon. Moi je tire d'en haut, bats les couilles hein. Vas-y la zone. Vas-y ton chignon. Vas-y. C'est un grand. Vas-y t'es petit. De toute façon les gars, si c'est le malo, on paye les frais, y'a pas de problème, on savait pas nous. Juste ta mère. C'était de la merde. Ok, c'est sympa comme répartie. Nique sa mère. JP, JP. Vas-y les mecs, bonne soirée. Ouais. Free JP les gars. Free la crime, free la crime. Free Moski, free Moski. Je sais pas, j'avais pas de. Ouais, free Moski. Free Moski. Oh putain. Moski. Mosquée. What? Hein? Il s'appelle Moski. Yo, on a le crâne, ça veut dire? Ouais. Gang. Ça veut dire on va se faire chasser, ça veut dire je prends le volant. Ça veut dire Pinta Mams la Cous. Change de voiture, rappelle les autres. Pinta Mams le Cous, je vais pas changer de voiture, poteau. C'est pas quoi. Je vais conduire ici et tu Pinta Mams. Non. C'est quoi, je me fais péter, je suis la reine des chiennes. Comme hier, genre. Mais hier, je me suis fait péter déjà sur un poteau qui était noir, que je voyais pas dans la nuit. Et je me suis fait péter parce que vous avez pas braqué. Pourquoi vous avez pas braqué? J'ai jamais compris ça d'ailleurs. Est-ce qu'on savait que c'était un bif perso? On s'en bat les couilles, frère, c'est truc de merde. Justement, vous m'avez laissé me faire péter, ils m'ont pris juste moi, genre juste Kittles, vous avez bien compris, et vous m'avez laissé me faire péter.